Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans le retour du magnifique jeu de ce week-end, The Crew 2, le seul et l'unique, pendant que la caméra fait strictement n'importe quoi, c'est formidable. Mais bah, du coup voilà, alors, on continue comme prévu l'essai gratuit du week-end, voilà, on bourre le jeu vu que tout est débloqué. Et puis bah, on va voir jusqu'où ça nous mène. Ah, j'espère que ça va être très loin. J'espère qu'on va partir très loin. Ah, parce que, bah, mine de rien, j'ai joué un peu hier soir. Et il y a des épreuves pas mal, hein, quand même. On se fout beaucoup de la gueule du jeu. Mais il y a des moments où ouais, ils tentent des trucs. Hein, même si, bon, bah, ce serait bien qu'ils tentent des trucs plus souvent. Malheureusement, parce que c'est pas la folie en permanence. Mais du coup, bah voilà, comme on peut le voir, j'ai joué hier soir, du coup j'ai amélioré un peu ma voiture. Et là, bah, rappelez-vous ce qui se passait hier, où bah, c'était la misère absolue. Maintenant, ça y est, je commence à aller trois fois plus vite que les autres. Et donc, eh ben, GG Ubi pour avoir fait un équilibrage de niveau 0 à son jeu. Ah, les gars, ils ont fait les pistes, ils ont posé les IA un peu n'importe comment, et en espérant que ça passe, quoi. Ils ont fait aucun équilibrage, en fait. C'est dramatique. C'est dramatique pour un jeu de course. Après, je sais pas trop si ils espéraient que peut-être on joue tous en multi, mais du coup, genre à 8. Je sais pas si c'est possible de faire les courses à 8. Et donc, bah, qu'on affronte que des adversaires humains, non, j'en sais rien. Je sais pas trop comment ça se passe. Ah, parce que bah, c'est vrai que on a pas encore testé le multi. Ah, il y a eu... Il y a eu des gens qui sont passés hier. Ah, là, je les ai rajoutés en ami, d'ailleurs. J'espère qu'ils vont repasser aujourd'hui, un peu plus tard, histoire qu'on puisse tester un petit peu tout ça. Ce serait cool. Ce serait cool avant la fin du week-end de voir un petit peu ce que ça donne le pan multijoueur. Histoire d'être. D'avoir un peu tout vu, quoi. Parce que c'est vrai que bon, un jeu Ubi, un jeu service, sans avoir testé le multi, c'est quand même pas terrible. Mais bon, déjà, point positif, contrairement à Forza Horizon 3 et son Toredo de l'enfer, le multi marche. Et ça, j'ai envie de dire, de base, c'est déjà mieux. Même si bah, The Crew 2 aura jamais la conduite d'un Forza, au moins ils ont le mode multi. Mais ouais, ma voiture, en fait, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Là, je faisais d'autres épreuves, en fait. J'avais pas retouché cette voiture-là hier soir. Oula! Là. Ouais! Allez, on recommence. Vas-y. Ah, ça commence bien. Petit accident. Je suis pas sûr qu'on était censé pouvoir aller dans ce petit parking privatisé. Je suis à peu près sûr que non. Ah, va falloir faire gaffe, parce que si maintenant, avec la vitesse qu'on a, on se met à passer par-dessus les murs, à plus ou moins invisible, ça risque de mal finir. Mais tout va bien se passer. Voilà, je suis un pilote professionnel, rappelez-vous. Même si c'est pas clair, de toute façon, j'ai les murs pour m'assister. Ah, les murs, c'est les meilleurs alliés. Ah, du coup, ouais, j'ai pu tester un peu la physique des murs. Et ça va, tout va bien. Ils ont bien fait un copier-coller par rapport à The Crew premier du nom. Il y a toujours ces fameux murs où tu sais pas, d'un coup, ça t'arrête net. Ou d'un coup, tu rebondis à 3 km, quoi. C'est un peu comme dans Skyrim, quand... quand t'envoies des mobs dans l'espace. Là, c'est un peu le même délire, tu vois. Des fois, tu rebondis, tu te fais, mais what the fuck. Et du coup, ouais, bah, Ubisoft, fidèle à sa réputation, n'a rien retouché depuis là. Les gars, ils aiment bien ajouter du contenu, tu vois, parce que tu peux pas dire non plus qu'ils ont rien fait.
ils ont ajouté les bateaux avec le gameplay aberrant où il faut toujours maintenir le stick vers le bas. Les avions, où, finalement avec un petit peu de pratique ça va, mais du coup c'est pas du tout intuitif. Mais les motos aussi, je sais pas s'il y avait des motos dans le 1. Si, peut-être en DLC je crois. Non, il n'y avait pas une histoire comme ça en DLC, dans The Crew 1. Je crois qu'il y avait les motos et la police aussi en DLC. Il n'y avait pas une histoire comme ça. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ah, ok. C'est bon, tout va bien. Mais ouais. Ah, par contre, je sais pas trop ce qu'ils vont faire en DLC dans celui-là. Bon, après, même s'il n'y a plus l'histoire avec avec le méchant gentil, le gentil méchant infiltré chez les méchants, mais qui est gentil, et que du coup, bah, il n'y a plus la police dans le lore de The Crew 2. Ah, peut-être qu'ils vont nous la remettre. Peut-être qu'ils vont nous remettre la police. C'est possible. Après tout, ça ferait du recyclage à feignant qui pourrait vendre facilement. Ah, je me dis que ouais, c'est même probable qu'ils nous le ressortent. Après, ouais. Ah, par contre, en termes de véhicules, je vois pas trop ce qui pourrait nous sortir en plus. À part une fusée. Ah, t'imagines, The Crew 2 dans l'espace. Après tout, il distorde bien à la physique. Alors pourquoi on finirait pas dans l'espace? Après tout, pourquoi pas? D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'explication à pourquoi la Terre elle se retrouvait perpendiculaire comme ça. Ah, le loot! Attends. Ah, vite le loot! Voilà, c'est bon. Ok. Une pièce esthétique. Ok, c'est ça les blancs. Je me demandais, je pensais que c'était du légendaire le blanc. Je me suis dit, oh mon dieu, ça y est, j'ai eu un truc trop bien. En fait, non, c'était juste... juste des jantes à la con. Dommage. Allez. On va se varier un peu les plaisirs, non? Qu'est-ce qu'on se fait? On peut se faire un peu... tiens, un peu de bateau. Ah, il y a de l'air race aussi. J'en ai jamais fait de l'air race. Ah, de la course d'avion. On va se faire ça après. Là, vas-y, on va se tenter ça. D'abord, petite course de bateau, histoire de... Et après, on Oublie se fait... Oublie pas qu'un bon pilote doit jamais craquer sous la pression. Exactement. Pour ça, on s'entraîne. Pour que toutes les jauges, les compteurs et les accélérations deviennent comme une deuxième nature. Et qu'on puisse se concentrer sur la course. Mais bien sûr. Je vais regarder comment tu t'en sors aujourd'hui. Alors, pas de pression. Ah, mais laisse-moi passer. Ok, ah, c'était là. Est-ce qu'il y a un frein à main sur les bateaux? Je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est un gros manque, finalement. Un petit frein à main dans les bateaux. Faudrait pouvoir jeter l'ancre. Ouais, ce serait bien de pouvoir jeter l'ancre. Enfin, pour tourner directement. Ah, comme, je sais plus dans quel film de pirates c'était. Enfin, peut-être Pirates des Caraïbes, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous dans la colonne. Ah merde. Ils ont craqué. Ok. Allez Rachel. On va la doubler. Et c'est qui? C'est Scott devant aussi. Ah du coup, ouais, fallait peut-être pas passer par là. C'est pas grave. Hop. Allez, easy. Le plus court chemin, c'est tout droit. De toute façon, là, mon bateau, il est pas cheaté. Ah, contrairement à ma voiture. Mais ça va, ça fait le taf quand même. Mais j'ai Elisabeth aussi en tant que peinture. Alors du coup, en termes de charisme, ça intimide tout le monde. Elisabeth de Gintama. Après, on la voit pas ultra bien, là. Ah, j'avoue. Mais elle est là. Elle est là. Elle est présente, elle fait le taf. Là, attends. Okay.
Ah, il a mieux pris le saut que moi, lui. Salaud. Voilà, mais il faut pas sauter, en fait. C'est ça le secret. Il faut y aller tout doucement, avec doigté, et tout se passe bien. Allez-vous, un peu de turbo. Hop. Voilà, après c'est lui. Pas trop. On va où là? J'en sais rien. On va là. Ouah, mais il a coupé! Attends, il triche! Ah putain. Ah, il va m'envoyer dans le seau. Tiens! Ah merde! Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Ah, je vais me faire doubler juste à la fin, tu vas voir. Je vais perdre à la fin. Ah, c'est terrible. Ah mon dieu. Non. Allez, salaud. Pas mal, mais tu peux faire mieux. Ah ouais, je sais. Je devrais peut-être monter la pression encore un peu plus. Ah vas-y, ouais, fais péter. Oh, il est où mon loot? J'ai quand même droit à du loot. C'est le principe du jeu, hein. Normalement t'as toujours du loot. Ah non, j'ai pas été assez bon. Ah si, là-bas, loot. Vas-y. Ah vite. Ah, du violet. C'est bien le violet, non? Je vais voir. Ah, vas-y. Ouais, 128. Ah, c'est génial. Ah, ok. Allez. Hop. On était où? On était là-bas dedans. On se fait un peu de touring car aussi. Ah, pourquoi pas. Allez, vas-y. Ah, maintenant que... Attends, okay. Que je suis célèbre. Je sais que c'est Alexis d'habitude qui t'encourage avant la course. Ah mais c'est la voiture, mon petit poney. Ah c'est génial. Mais voilà mon conseil perso. Ah non, c'est plus la même. Fais regretter à Clarence le jour où il a appris à conduire. C'est qui Clarence? Qu'est-ce qu'il veut? Mais non, mais Clarence, je suis sûr que c'est mon ami. Il est pas méchant, Clarence. Oui. Well, je sais pas trop. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, les murs, toujours les meilleurs. Par contre, quand il y a du sable entre la route et le mur, ça c'est pas bien. Il faut pas faire ça, le jeu. Là, j'ai une technique de conduite assez émergente, mais ça passe pas mal. Ils essayent de t'éviter, hein. C'est ça qui est chiant, tu vois. Tu peux pas trop faire comme dans Gran Turismo. Enfin, je sais même pas si tu peux le faire dans les derniers. Tellement j'ai pas joué depuis longtemps à Gran Turismo. Mais du coup, tu peux pas leur rentrer dans la portière pour t'aider à tourner. Ah, ils ont tendance à t'éviter, tu vois. Quitte à aller totalement dans le décor. Les gars, ils préfèrent se manger le décor plutôt que de te laisser leur rentrer dedans, tu vois, pour t'appuyer dessus. Ok. Ouais, j'ai un peu trop freiné du coup. Attends. Non mais on va y arriver. Là c'est le tour de chauffe en fait. Là je me repère un peu vaguement. Et puis après je vais mettre la misère au premier. Là ça y est, on a fait un tour. Ok. Allez, ah, par contre le premier, je sais pas où il est parti, mais il est parti. Ah, j'ai pas de nitro d'amener. Il doit y avoir 4 tours, non? Je suis même pas à 50%. Ok, allez, on va y arriver. Tout va bien se passer. En fait, ces épreuves là, c'est les seules épreuves où faut mettre un peu des coups de frein une fois de temps en temps, parce que sinon ça passe jamais. Même si bon, ça va, ils sont quand même assez cool, hein, les IA. Tout va bien.
Bon, je pense pas arriver à rattraper le premier par contre. Mais le deuxième potentiellement c'est jouable. C'est jouable. On en est où? 60%. Ah, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Et j'y crois à fond. Même s'il a, il a pas trop envie de se laisser rattraper, le gars. Il est motivé. Ok. Allez, vas-y. Ah, si on bourne en un moment. On va le rattraper. Ah mon dieu. Ah, le mur. C'est pas grave, ça m'aide. Allez. Ah, je vais pas y arriver. Ah, vite. Non, c'est mort. C'est mort. Je mange un peu trop les murs. Ah, du coup, dans les lignes droites, il met 100-0. Autant dans les virages, je le rattrape parce que je vais plus vite que lui. Par contre, dès qu'il y a une ligne droite, c'est mort. Ok. Ah oui, non, ça c'était pas prévu. Ah putain, ils vont tous me doubler. Non! Ah pourquoi toujours à la fin? C'est terrible, hein. Je fais jamais de merde pendant tout le circuit. On se croirait dans Mario Kart, en fait. À chaque fois, c'est à la toute fin, tu vois, le drame. C'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est pas grave. Ah, j'ai pas rempli mon objectif. Ah, c'est la tristesse. Mais je gagne quand même des followers et du pognon. Ils sont cool. Mais est-ce que j'ai du loot alors? Non, j'ai pas de loot. Hein. J'ai pas de loot. Allez, vas-y. On va se faire une course d'avion. On va tenter. Ah non, je peux pas en faire. Allez au QG. Vas-y, je vais au QG. On va voir ce qui se passe. Ouais, je débloque tout en même temps. Acheter un véhicule. J'en ai pas des gratuits. Après, ah quand même, 400 000. Enfin, ça va, j'ai assez d'argent. Mais ouais, c'est pas cool. Pourquoi lui on voit pas les kilomètres heure? 1470 de puissance. Ah oui, il a plein de puissance lui. Ah lui il a que 300. 1470 pareil. Parce que comment on voit les meilleurs là concrètement? 426, ouais. 418, 234. On n'a qu'à prendre le plus cher, au pire. Quand tu sais pas. Quand tu sais pas, tu prends le plus cher. 498 000. Allez, c'est parti. Vas-y. On se fait plaisir. Par contre, je vais juste... actualiser le chat. Hop. Voilà. Ok, et alors? On s'en fout. Moi, je veux faire la bataille. Enfin, la bataille. La course. Ok. Moi, je suis à 151 de base, il conseille 100. Bienvenue. Normalement, ça devrait être easy. Black Mount. Devine qui détient le record sur ce parcours? Monsieur Clarence Bishop, troisième du nom. Je suis sûr qu'il serait particulièrement agacé si tu le battais. Mais bon, on va pas s'abaisser à faire ça, quand même. Mais c'est encore Clarence. Mais y a un scénario avec Clarence, là, parce que j'ai pas suivi du tout. Je m'en rappelais pas qu'on en avait parlé hier, ce Clarence. On battait 3.31. Carré pour le mode extrême. Ouais, non, ça ira.
on va y aller normalement. Ah, par contre, ah oui, d'accord. Okay. Quoi? Attends. Oh mon Dieu! Ah, j'ai loupé la porte. Et alors, on va où? Attends. On va se remettre à l'endroit. Ouais, non, en fait, j'avais fait... Mais non, mais... Il comprend rien. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah, c'est terrible. Ah, joli, ouais. Ouais. Ah, l'objectif, il est devant. Ok. Ah non, mais c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Je retire ce que j'ai dit. En fait, c'est pas cool, même une fois que t'es habitué à l'avion. C'est toujours de la merde. Ok, et on va où là? Parce que je viens suivre les flèches. Faut aller là-bas. Ok, c'est bon, tout va bien. Salut Tétis! Ah mon Dieu! Ah, t'arrives, prépare le sac à vomi, hein, parce que. Je suis l'analyste financier! L'analyste financier de quoi? Qu'est-ce qui se passe? De Nintendo? Ah, Nintendo, ils en ont fait une bonne encore! Est-ce que t'as suivi l'histoire du jour? Ah, parce que hier c'était avec Amazon, mais aujourd'hui c'est encore mieux! Ah les gars, c'est vraiment des génies. Ah du coup, pour les jeux qui ont des DLC gratuits ou payants comme Lego, eh ben il faut être abonné pour pouvoir y accéder. Sinon ça passe pas. Je trouve ça extraordinaire quand même. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais dans les deux cas c'est du génie, tu vois. Après, est-ce que c'est des génies incompris ou est-ce que c'est calculé? On sait pas trop. Ah, vas-y, on repart dans l'autre sens encore. Il y a deux tours, hein, c'est ça. Arrivé. Ah, génial. Ouais, c'est bon. En fait, il fallait le reprendre en main, la vie. Tout simplement. Et l'autre, je lui ai mis une piquette, là. Il en peut plus. T'es gavé des pubs de Jack Ryan? Tu peux pas aller au Yémen parce qu'il est analyste financier. Ah ouais. La fameuse série de Amazon Vidéo, c'est ça? J'ai bon? Mais Adblock! Mais Adblock. Ah, moi je touche rien sur les pubs, de toute façon sur Twitch ou sur mon site. Je sais pas ce qu'il y a comme pub sur mon site. Mais je touche rien sur les pubs, donc mets Adblock, hein, te fais pas chier. Ou un équivalent. Moi j'ai, comment ça s'appelle, Ublock. Ublock. Ublock Origin, non. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça marche bien. Et puis t'as plus de Jack Ryan après. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux de pas avoir Jack Ryan. Comme ça, tu peux me voir directement mal parler Nintendo, c'est génial. Histoire d'être bien clair, je sais pas ce que tes amis freestylers t'ont raconté, mais ça, c'est une course. Et donc, le truc que tu verras sur le quai, c'est une grande roue. Pas un anneau géant dans lequel on peut faire des figures, ok? Non, mais moi, je veux faire une vraie course. Pas juste contre un fantôme. Y a pas de vraie course en avion? Bah, au tout début, dans le tuto, on nous a vendu des vraies courses. Hein. Et là, c'est que des fantômes. C'est nul. Elles sont où, les vraies courses en avion? C'est pas ça que je veux faire, moi. Ah, je me sens floué. J'étais hypé parce que j'avais vu des courses d'avion. Ah, du coup, je voulais les garder pour le stream. Et en fait, c'est de la merde. Ah, génial. Ah, je suis choqué et déçu. Voilà, allez hop.
Ouais. Allez, on tourne. Mais là, en plus, mon avion, tu vois, il est tellement pété que j'ai même pas besoin de booster. Tu vois, j'ai le boost là, j'utilise pour le LOL. Mais concrètement, ça sert à rien. Par contre, là, ça risque de mal finir un peu. Ah mon dieu. Ah, ça passe, tu bloques ? Ah ouais ? Sérieux ? Moi, ça passe pas ? Comment ça se fait ? T'es en train d'éclater le record du circuit. Mais bien sûr, c'est normal, je suis doué. Je peux pas tester. Mais non, ah, j'étais trop... Merde. Il y a la hauteur aussi qui compte. Ok, très bien. Et t'as le bloqueur de pub d'opéra ? Ah ouais. Bah... Sinon, au pire, tu peux pas le sélectionner manuellement en faisant un clic droit dessus et tu fais bloquer cet élément. Alors, je sais que récemment, je m'en suis servi de ça pour bloquer la pub intempestive de Game Cult, tu sais. Maintenant qu'ils sont passés full premium, là, sur tous les articles, tu sais, t'as un gros bandeau, cet article vous est offert par les premiums, abonnez-vous, tu sais, tout ça. Ah du coup moi j'ai bloqué ça comme ça. Comme ça je le vois plus parce que ça cachait toute la fenêtre, cette connerie. Ah tu te retrouvais avec même pas un quart de l'écran, tu vois, avec le texte. Parce que du coup en haut, tu sais, t'as toutes les merdes. Les raccourcis pour les sites, tout ça. Et en bas, t'avais le gros bloc pour t'abonner. Ah, j'ai tout bloqué. Et ça va mieux. Mais en fait, tu vois, GameCube, maintenant, j'y vais même plus. Parce que ça m'a tellement saoulé, là, leur délire de full payant. Maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant. Et vu que même les tests, bah, du coup, ils précisent pas quand c'est des tests spéciaux pour les premiums ou des tests pour les lotières, tu vois, comme moi. Il ne précise pas. Alors du coup, j'ai arrêté d'y aller parce que ça m'a saoulé de cliquer sur des pages où on te met « Non mais abonne-toi, c'est pour les premiums. » Le seul moyen d'arriver. Ah, c'est ultra relou. C'est ultra relou. Mais je pense que je dois pas être le seul à avoir arrêté d'y aller. Mais là, du coup, ouais, faudrait que je me trouve un nouveau site de jeux vidéo, tu vois, parce que pour l'instant, tu vois, j'avais JVC pour un peu la poubelle du net, tu vois, les enfants, tout ça, où tu peux rigoler, bouffer des news popcorn, ta GameKiyo pour rigoler avec l'usine à troll et avoir des petites infos que tu trouves pas ailleurs parce que c'est un ramassis de joueurs de niche, tu vois. Et quand t'as fini de t'entraîner, et GameCult, tu vois, c'était un peu les gars un peu blasés, tu vois. Et il me faudrait un site de jeux vidéo comme ça, avec un peu des gars qui ont du recul, qui ont une petite réflexion sur ce qui se passe. Ce serait pas mal. Mais j'en connais pas. Faudrait que j'en cherche un. Ah, t'aurais pas un nom, toi, par hasard. Un équivalent à GameCult. Mais gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? Du rallycross. Vas-y, on va chercher le rallycross. Alors, t'as intérêt à t'accrocher. Est-ce que je peux en faire ? Est-ce que ils vont m'offrir une voiture ? Ce serait bien qu'ils m'offrent une petite voiture, là, pour le rallycross. Ah non, c'est la baise. J'ai plus de pognon. J'ai tout dépensé pour mon avion. Ah mon dieu. Ah, c'est la loose. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Ah, c'est pas grave. On peut peut-être se faire un peu de moto, non ? Y a pas des trucs de moto, hein ? Bah si, y a de la moto. Vas-y, on fait de la moto. J'adore les courses à LA. Il y a toujours plus de public dans les grandes villes. Ça veut dire plus de gros sponsors, sans parler des ventes de t-shirts, casquettes, DVD, etc. Et puis surtout, tu peux dormir dans un vrai hôtel et pas un de ces trois rats de campagne.
Ah, comme ça, ça parle mal de la campagne. C'est terrible. Putain de citadin. Tu vas gagner fastoche les mains dans les poches. Après, c'est sûr que c'est bien les hôtels en ville. Ah, y a pas de souci. Mais après, vivre en ville, par contre, c'est autre chose. Voilà, moi, je passe par là, c'est plus simple. Ok. Et ça, tu vois, c'est l'astuce dans les courses de motocross, c'est que du coup, souvent, tu peux passer à côté des boss. Histoire de pas trop te faire chier. Voilà, pareil. Tu peux passer un peu à l'arrache comme ça, hop. Voilà, comme ça, t'es pas trop ralenti par les boss. Ouais. Même si là, je le fais pas du tout proprement. C'est pas bien. Mais ouais, tu peux bien gruger en motocross. Ah là, moins quand même. Les circuits d'avant, tu pouvais beaucoup plus. Tu pouvais beaucoup plus gruger. Là, tu peux pas trop. Oula. Ah ouais, non, mais j'ai merdé. Vas-y, on recommence. Presse citron ou Big Geek ? Ah, je connais pas. Je connais pas. Parce que, ouais, moi, tu vois, c'est un peu mon problème, tu vois. Une fois que j'ai pris mes habitudes, après, j'ai tendance à pas aller chercher à voir ailleurs. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est pas bien. C'est pas bien. Et ouais, après, si c'est plus généraliste. Je cherche quand même des trucs relativement spécialisés. Mais je pense que je vais jeter un œil quand même. Histoire de. Histoire de voir. Ça peut être pas mal, hein, potentiellement. On sait jamais. Ok. High tech. Ok. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de toute façon. Par contre. Ah ouais, mais ça c'était pas prévu. Ah, mais ça le passe quand même! Ah d'accord, même si tu passes à côté, c'est validé quand même. Ah ça va, ils sont sympas. Ils sont sympas. Ouais, non, par contre, c'était pas vraiment pertinent, mais c'est pas grave. Ça permet quand même d'aller plus vite que, que les autres. L'air de rien. Voilà, moi je cherche l'arnaque, hein, comme d'hab. Tant qu'on peut couper, moi j'y vais. Là faut aller où? À dessous. Ok. Allez. C'est bon, ça passe. Ah mon dieu. Alors attends, voilà, c'est bon. Non. Ah c'est bon, il reste 50% encore, tout va bien. Ma technique c'est la meilleure. De toute façon, les autres ils comprennent rien. Ils peuvent pas tester. Hop. Mais ça veut tellement rien dire. Ah putain. Ah c'est beau quand même. C'est beau. Le jeu il en a tellement rien à foutre en fait. Il est ouvert à la triche le jeu. Hein. Il est sympa. Il est sympa. Ok. Allez, on va y arriver. Hop. Easy. Et là, c'est là-bas. Ah non, je suis en dehors de l'arène, ça marche pas. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, mais tout va bien. Tout va bien. Non, mais le jeu, il est... Il y a tellement moyen de l'ouvrir. Ah, putain. Les gars, ils en ont rien eu à foutre. Quand ils ont fait le jeu... Moi je m'embête à pas trop couper, tu vois, mais en fait tu peux y aller franco. Hein. Ils te disent juste, ah ouais, dans ce que tu fais, c'est pas bien. Mais ils te laissent le faire quand même. Ah, meilleur jeu de l'univers. Un meilleur jeu de l'univers. Ah, zut. Non.
Attends, ah, faut pas que je me fasse doubler là, c'est fini. Cassez-vous. C'est tolérance 3000, mais tellement, tellement. Ah, Ubisoft, ils ont oublié le Karcher. Ah, le loot! Attends, j'ai oublié le loot. Vas-y. Je l'ai chopé? Ouais, c'est bon. J'ai eu peur qu'il soit passé totalement à travers la bosse et que je pouvais plus le récupérer. Ça va être énorme pour moi. Et pour toi aussi, bien sûr. Ah, mon Dieu. Allez, vas-y, on améliore la moto. Hop. Un 23. C'est du loot jaune? Le loot jaune est le rêve de tous mes canaux. Si tu récupères un ensemble ou 7 pièces spécifiques, tu reçois un bonus super cool. Il y a 5 ensembles avec autant de bonus différents. Mais tu peux en utiliser qu'un. Le loot est aléatoire, donc ça peut prendre du temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Ok. Donc jamais on aura un set jaune complet, quoi. Et voilà. Ah, ma moto, elle est mieux, là. Mérites-tu un GG? Je sais pas trop. J'avoue, même moi, je me laisse perplexe moi-même, tu vois. Ah là, y a pas d'embrouille. Ah, c'est pas vraiment legit. Qu'est-ce que je donnerais pour que tu l'éclates devant tout le monde? J'en peux plus de son numéro de hippie, vegan, new age, tout ça. Ah bah c'est un vegan, mais on va le trucider alors si c'est un vegan. On va le foutre sur un barbecue et tout va bien se passer. Allez, tut-tut! Je sais que t'as le potentiel pour devenir champion. Mais bien sûr. On peut pas passer sur le côté, là. Enfin, pas trop. Là, c'est par là, ouais. Ah, je prends trop de boss, là. Je sais pas où je vais. Mais non, mais il va bien. Il va bien. Il est résistant. Hein. Jean-Michel, là, je sais pas comment il s'appelle. Oh, mon Dieu. C'est bon, tout va bien. Ah, petit arbre. Ouais, c'est pas grave. Attends. Ah non, mais du coup, je voulais passer à côté, moi. Attends, Jean-Michel, retourne derrière, voilà. Laisse-moi repasser devant. Voilà, voilà, c'est bon. Là, on est bien. He's ok. Ah, GG filouterie, ouais. Ah là, je prends totalement. GG filouterie. Non, mais il n'y a pas de mur, là. Et repasse-lui devant à la première occasion. Attends, ah, moi, je voulais tenter, mais du coup, le jeu, il dit non d'un coup. Voilà, la magie des murs invisibles hein, dans le jeu. Des fois, tu sais pas. Il y a des murs, ils t'arrêtent net. Et des fois, il y a même rien du tout qui t'arrête net. Tu sais pas trop comment ça se passe. Ok. Allez, on est reparti, tout va bien. Voilà, pourquoi avoir une conduite subtile quand de toute façon tu sais que tu rebondis sur les murs? J'ai envie de te dire. Ah mon Dieu, j'ai trop... parti sur le côté. Tant que t'es devant, c'est bon pour nous. Mais bien sûr. Attends. Ah, j'ai cru que c'était un checkpoint là. Attends, faute. Ah, c'est la fin. Ah non. Non, pas la fin. Salaud. Alors attends. Et là, ça passe. Là, ça passe. Ok, mais c'est bon. Maintenant, on connaît. Alors du coup, on peut y arriver. C'est easy. C'est easy. Mais ouais. Oh, au final, The Kutu, ça attire pas grand monde. Tu vois ? Je pensais que les gens allaient venir jouer en multi. Surtout que là c'est gratuit, tu vois. T'as même pas besoin d'avoir acheté le jeu pour y jouer. Et finalement, y a personne.
Après, peut-être que c'est moi qui fais fuir tout le monde aussi. Quand il... quand il voit ma conduite... ma conduite émergente, ils se disent oui, non. On va peut-être aller voir ailleurs. Mais du coup, ouais... je sais même pas si on va pouvoir tester le multi. Allez, vite. Ok. Donc là, hop, comme ça, voilà. C'est bon. Alors regardez, c'est quoi en bas aérodynamique. Je speedrun le jeu, ça y est. On est arrivé à ce moment fatidique où je connais le circuit par cœur. Et du coup, c'est bon. Ah ouais. Ça va, j'ai 5 secondes d'avance. C'est easy. C'est easy. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Ouais. Ah vite. Ah faut pas trop perdre d'avance quand même. On va arrêter de faire n'importe quoi. Surtout qu'il me semble que de base je suis plus rapide qu'eux. Donc techniquement j'ai pas vraiment d'excuse pour perdre en fait. Allez c'est bon. Easy. Voilà du premier coup. C'est facile. Eh, donne-moi du loot en or là. Il sort que je puisse me faire mon set. Ah il est là-bas. C'est que du vert. Ok. C'est random. Hop. Ah, c'est quand même mieux que ce que j'ai. Et là, pareil, c'est mieux alors que c'est pas jaune. C'est débile. C'est débile. En fait, ça sert à rien d'avoir du jaune avant le endgame, concrètement. Il faut... Alors, attends. Ouais, les 4x4, là, c'était pas la folie. De ce que je me rappelle, je suis à 44. Parce que là, c'est fait. On peut retenter. Vas-y. On réessaye. La course d'aujourd'hui traverse le Bayou. Je sais pas pourquoi les gens... Bayou, c'est juste un synonyme de marais. Si tu passes sur l'eau, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée. Et si tu passes par la route, c'est plus rapide. À toi de choisir le plus efficace pour faire le meilleur temps. Et essaie de pas trop pourrir ta caisse, d'accord? Techniquement, si c'est plus rapide, il faut rester sur la route. Ah, le gars, il s'exprime mal. Parce que s'il veut dire que je vais plus vite sur la terre que dans l'eau, il faut qu'il dise que je vais plus vite. Ah, pas que c'est plus rapide. Il raconte n'importe quoi. Ok, je crois que ça sert à rien d'utiliser la nitro dans l'eau par contre. Faut le faire sur la route. Me semble-t-il. Du coup, on va attendre. Voilà. Et du coup, là, on peut remettre un petit coup de nitro. Comme ça, on gagne en vitesse. Et là, paf! Voilà, et là, ça devrait bien se passer. Mais attends, je vais retourner sur la route, par contre. Histoire de pouvoir y accélérer. Voilà, parce que si on peut atteindre les 200, moi, je dis pas non. Ah, mon Dieu! Forcément. Il est où, l'autre? Ah, mais il est loin, encore! Il est loin, là, Jean-Michel. Bande de terre, on en profite. Ah ouais, il est super loin, le gars. Je lui mets la misère. Je mets totalement sans zéro. Ok, tout va bien. Ah, le pont. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur de sauter. That is ok. Voilà, le prochain.
Ah, j'aurais dû rester sur la route. Ah, mais c'est pas grave. De toute façon, là, l'autre, il est tellement loin. Il y a pas de problème. L'arrivée là-bas. Ok. C'est quoi ça? C'est un bateau? Ouais, tout va bien. Voilà, easy. Bon, mon 4x4 va mieux que celui que j'avais hier. C'est pareil, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, peut-être que le jeu s'est dit, ah putain, celui-là il est nul. Il faut lui mettre des IA qui rament du cul. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas moi qui suis devenu bon d'un coup. C'est pas la course, c'est gagner la course. C'est peut-être juste que l'IA s'est adaptée. Ah mon dieu. Le jeu a une IA adaptative en fait. Allez. Hop. Voilà, mais ils ont peur du petit poney qui est dessiné sur la portière. Oh, je sais. À Salt Lake City. Je veux pas me la jouer Bouddha, mais c'est super logique. Ça te rapporte des points. Les points, c'est la victoire, c'est la teuf, et la teuf, c'est... tu vois ce que je veux dire? Quand t'es le vainqueur, tout le monde veut traîner avec toi. Ah, c'est génial. Mais c'est parti. Je sais pas trop s'il faut sauter là-bas ou pas. Je la joue safe. Voilà. Je refuse le saut. Je backdash. Ah mon dieu! Non mais c'est bon, regarde, tout va bien. Je suis sûr que je peux le rattraper. Si je prends pas les sauts, alors du coup je vais plus traîner sur dans le gazon et je vais prendre de la vitesse. On va voir, ça va être extraordinaire. Il va pas comprendre. Ok, c'est bon. Ouais, il est rattrapable. Il est rattrapable. J'ai une bonne inertie. Tout va bien. Ah mon dieu. En tout va pas bien. Ah bah là par contre pour reprendre de la vitesse mon gars, ça va être l'enfer. Ok. Allez vite. Mais bon, alors même si je rate là, le prochain essai je l'aurai parce que... l'air de rien... Mais tu coupes là. Pourquoi il tourne? L'air de rien, en faisant n'importe quoi, j'arrive encore à lui passer devant. Donc c'est que c'est bon. C'est gratuit en fait. Ah mon dieu! Ok, tout va bien. Voilà, ok. Oh, le chemin de fer. Est-ce qu'il y a des trains dans le jeu? On sait pas. C'est vrai que maintenant, tu vois, vu que je passe d'une épreuve à l'autre en me téléportant en permanence, on n'explore plus la map. On se promène plus. Je saurais même pas dire si la map c'est la même que le premier ou s'ils l'ont retravaillé. Parce que du coup on est toujours aux États-Unis. Après tu vois genre cet endroit là je saurais pas du tout le situer aux États-Unis. Je saurais pas trop. Hein. Enfin, peut-être vers le centre vu comme ça ça alterne à montagne, forêt, désert. Je sais pas trop. Hop. Ah, l'autre il n'existe plus. On le voit même pas. On le voit même pas le pauvre gars. Ok. T'as explosé le temps que j'avais fait. Ah ouais mais t'es nul. J'imagine que je dois te féliciter.
Yo mon loot. Donnez-moi mon loot. Ça. Ah merci. Ah mon dieu. Ah c'est loot box. Pourquoi ça me met là? Non, je veux pas. Je veux juste m'équiper. Si. 60, ouais. Il y a des petits symboles là en haut à gauche des pièces. C'est quoi ça? Là, il n'y en a pas. Il y a un éclair. L'autre, c'est quoi? C'est un compteur de vitesse? Je sais même pas ce que c'est. C'était le Paris-Dakar? Bah ouais, mais en 2 minutes. C'était, c'était Paris, le RER 2. C'est pas trop. Tour Eiffel, Champs-Élysées. Et là en face c'est de la neige, c'est ça? Donc il y a le désert, il y a la neige à côté. Ouais, tout va bien. Tout va... Attends, comment c'est la map déjà? Qu'on sache un peu où on est. Est-ce que j'ai bien piffé? Ah bah ouais, j'ai bien piffé. Enfin, je disais qu'on était au milieu, tu vois, on y est. On y est. Allez. Hop. Est-ce qu'il y a encore de l'off-road à faire? Ouais, après c'est du orange. Ça devient plus compliqué, là c'est tout fait. Ah, le rallycross, j'ai... Non, j'ai pas encore le pognon. Alors... le jet sprint, ça fait voir. 39, recommandé 20. Ouais, normalement ça devrait aller. Normalement ça devrait être bon. Attends, je vais quand même vérifier les... Ouais, si, 39. 39. Et je l'ai pas repeint, ce bateau? Comment ça se fait? C'est bizarre. Parce que, ouais, hier, je me suis décidé à balancer mon pognon pour repeindre un peu les voitures. Mais mine de rien, en tant que peinture, tu vois, niveau peinture, t'en as beaucoup moins que dans Forza Horizon 3. Pourtant, il me semble que The Crew 2, il est sorti depuis un moment. Si je dis pas de bêtises. Ah mon dieu. Ça va vite. Il me semble qu'il est sorti il y a un moment, The Crew 2, mais il n'y a pas beaucoup de choix en termes de peinture. Et les peintures, elles sont pas terribles, hein, de manière générale, en termes qualitatifs. À par rapport à ce qui se fait dans Forza. C'est pas foufou. Hein. Pas foufou. Ouais. Ah putain, heureusement qu'il tourne bien ce bateau. Je sais même pas si c'est legit, hein, un bateau qui tourne autant. Ah putain. Ah, même Mario Kart, ça tourne pas autant. Ah putain. Ah sinon, moi j'attends toujours mon Nintendo Kart avec... Avec tous les persos des licences Nintendo. Et puis un peu plein de véhicules, tu vois, comme Diddy Kong Racing. Ah, vu que bah, Team Sonic Racing, là, c'est mort de chez mort. On n'a plus d'alternative maintenant à Mario Kart. C'est dommage, hein. C'est dommage. Parce que du coup, bah, les gars, tu vois, ils sortaient les doigts du cul. Ah, genre, pour Sonic Transform, les gars, ils avaient fait un solo assez solide, hein, mine de rien. Avec des épreuves et tout, c'était cool. Même les circuits étaient sympas. Après, ça manquait... Oh mon dieu. Ça manquait un poil de taf sur les sensations de dérapage et sur les impacts quand tu te prenais des items. Mais putain, ils auraient tellement pu devenir un vrai rival à Mario Kart. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, avec Team Sonic Racing. Ah, je serais curieux de savoir comment ils en sont arrivés là, les gars. Comment ils sont passés de Sonic Transformed à Team Sonic Racing. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Il est sorti le 29 juin, The Crew 2. D'accord, ok. Ouais, ça fait déjà plusieurs mois. Donc ça fait juillet, août, septembre. Ouais, ça fait 3 mois.
Bah, normalement, t'as déjà des gars qui auraient pu faire des trucs sympas là. T'es bien rendu compte qu'il y a plusieurs façons de se faire un nom au sein de la famille. Mais c'est pas parce que c'est possible que tu dois le faire non plus. Si ton plaisir. Ouais, ta gueule. hop. Voilà. Tire à toi, c'est de passer ton temps à te balader et à prendre des photos du Bigfoot ou des pommiers. Eh ben vas-y, te gêne pas. Ici, t'es aussi libre de repousser tes limites que de pas le faire. Ah, mais moi j'aime bien faire des courses. C'est cool. C'est cool. Mais par contre, ouais, faudrait des vraies courses, quoi. Parce que le jet sprint. Ah, ils abusent un peu trop des épreuves avec les fantômes. Dans The Crew 2. C'était dans quoi qu'il y avait Alexis souci aussi. C'était pas dans ce type. Ou à chaque fois t'avais que des fantômes si tu à combattre. Tu perds la vitesse au profit d'une meilleure maniabilité. C'était ça. Joue là-dessus et tu gagneras de précieuses secondes. Ah, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Mais ouais. Après, il y a peut-être Nickelodeon là qui a fait un jeu de cartes qui va sortir en fin d'année. Par contre, je me rappelle plus le nom. Bah, ça doit être Nickelodeon cartes, non, un truc comme ça. Tu sais, avec Bob l'éponge et compagnie. Allez, Tortue Ninja. Mais bon, bah, j'ai pas vu de vidéo encore. J'ai aucune idée de si ça tourne bien ou pas ce jeu. Ça se trouve, ça va être la bonne surprise. On sait pas. Bon, j'y crois moyen quand même. J'y crois un peu moyen parce que. En plus, il sort en Day One, il sera à 40 balles, je crois. Donc ça sent le jeu petit budget. Juste là pour exploiter les licences. Mais pas pour faire un jeu intéressant. Quoi. Ah, vas-y, on va mettre un peu le boost, hein, parce que... Là. Ah, mon dieu. Voilà, c'est bon. Non, mais c'est bon, vas-y. Ah, c'est génial. Mais ouais, je suis quand même curieux de voir ce qu'il va donner, ce jeu. Il me semble qu'il sort fin novembre, un truc comme ça. Donc il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Après, s'il sort sur PC, peut-être qu'il y aura moyen de se le procurer. Et peut-être qu'on pourra le tester. Non, je sais pas s'il sort sur PC ou pas. Faudrait vérifier. Hop. T'es plus rapide que ce que je pensais. Mais bien sûr. Regarde, hop, dans le sable, j'ai pas peur. Petite nitro. C'est easy. J'ai mis 35 secondes à l'autre. Ah, mon dieu. Ah, le pauvre. Le pauvre gars. Ah, tu m'étonnes que je suis plus rapide que ce qu'elle pensait. Ah, salut gamer. Comment ça va? Ah, gamer, je parlais de Nickelodeon Kart. Ah, tu sais quand est-ce qu'il sort ce jeu? Ou s'il y a une vidéo de gameplay ou autre. Ah, parce que... ouais, on était en train de parler des Mario Kart-like. Et de l'absence de concurrence. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce jeu en fin d'année, mais je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas ce qu'il vaut. Il me semble qu'il sort fin novembre. Mais... Il n'est pas annoncé sur PC, ouais. Enfin, ça me semble logique, hein. A priori, bon, c'est un jeu pour les gosses, donc ça va être PS4, Switch et One.
comme d'hab. Comme d'hab. Alors. Allez, ah, c'est la dernière. Après, on change un peu de. Des rochers rouges. Ah, deux catégories. Rajoute 2-3 gamins et ça te fait une super zone de baignade. C'est beau comme une carte postale, mais faut surtout pas que ça te détourne de la course. Allez, ils ont carrément enlevé sur Amazon. Ah, mais du coup. Gamer. Ah, tu as un jour de retard. Tes news sont déjà has-been. Parce que la nouvelle de la journée côté Nintendo, c'est le fait que si t'as pas d'abonnement Nintendo Online, tu ne peux pas télécharger les DLC gratuits ou payants des jeux. Dans Lego, je sais pas lequel, si t'es pas abonné au Nintendo Online, tu ne peux pas accéder à tes DLC. Ah mon dieu, ah ça c'est un mur. Non mais tout va bien. De toute façon je suis cheaté donc je m'en fous. Continue à ce rythme, ok ? Voilà, évidemment. Voilà, un petit 100 km/h en 2 secondes et un petit mur au bout de 3 et tout se passe bien finalement. Ouais, comme ça l'eau, tu vois, ça lui fait un petit espoir, ça le laisse croire qu'éventuellement il peut gagner. Alors qu'en fait, pas du tout. Je vais où là? J'en sais rien. Ah! Je suis en train de passer dans le sol. Oh mon dieu, tout va bien. Voilà. Ah, il est là! Bonjour! Allez, c'est parti. Mais du coup, ouais, je vais arrêter d'appuyer tout le temps vers le bas parce que j'ai l'impression que ça rend le truc encore plus incontrôlable. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ouais, même solo ça devient compliqué maintenant. Ah mon dieu, il est où le machin? Ah, il est là. Je fais tellement n'importe quoi. Ah putain. Ah c'est beau hein. C'est beau, je suis toujours devant. C'est propre. Allez, c'est parti. YOLO. Ah putain, t'as tellement l'impression de faire du 600 km/h, en fait t'es que à 130. Et tourne. Ah, c'est bon. Easy. Ça te déçoit Nintendo? Ouais, ils ont pas le droit, c'est totalement illégal. Mais c'est ce que je disais hier, du coup, c'est juste pour gratter des ventes à plein tarif en fin d'année. C'est tout, hein. C'est tout. Tu sais, même si les gens d'ici ah, mon loot n'importe quoi, ils ont tous le cœur sur la main. Si jamais t'as besoin d'aide, tu peux être sûr qu'ils laisseront tomber ce qu'ils font pour te filer un coup de main. C'est comme ça qu'on est. Esprit libre veut pas dire égoïste, c'est exactement l'inverse. Et si tu penses pas pareil, c'est peut-être que t'as pas ta place parmi nous. Allez, ah vas-y. Ah moi j'améliore mes pièces. Hop. À 60, hein, putain. Ah mais le bateau à la fin, j'ose même pas imaginer quand il va être à 120. Le machin il va faire du 1200 km/h, ça va être F0. Tu vas voir, à la fin du jeu le bateau c'est F0. Parce que déjà là, les sensations que t'as, c'est assez fou. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours pas le pognon. C'est dur de gagner le pognon. Alors attends, on peut se faire un peu d'avion. Vas-y. On y va. Ah, les grands espaces du Texas. Il n'avait plus. Ah ouais. Bah, du coup, ils en remettent, hein, normalement. Surveille bien. Tu réduis ta vitesse. Bah maintenant, vers 16h en général, sinon le matin. Ça veut pas forcément dire que tu vas te cracher. Le matin. Vérifie là s'ils ont pas réappro. On sait jamais. Mais ils en remettent régulièrement. T'inquiète pas. Y a pas de souci. Ah moi du coup, ça y est, j'ai reçu ma nouvelle PS4. j'ai fait le transfert. Voler le plus bas possible, ouais.
j'ai fait le transfert tout à l'heure là. Et du coup, à lundi, on pourra attaquer Kingdom Hearts 2 avec la nouvelle console. Maintenant, je vais moins consommer. Toucher le sol, ouais, vas-y, easy. Hop. Voilà, encore, vas-y. Hop. Voilà, je peux faire ça en boucle, hein. Moi, y a pas de souci. Touch and go. Ah, ouais, non, attends. Hop. Voilà, je racle un peu le sol, mais c'est pas grave. Ah, vas-y, on monte. Voilà. Comme ça. Ouais, ouais. Bah, du coup, j'avais le choix. Soit je la prenais comme ça, la console. Ah oui, non, d'accord. Attends. On redresse. Voilà, et on y va. Soit je la prenais comme ça, la console, et du coup, je payais 7€ de frais de port. Soit... Je prenais l'abonnement gratuit Fnac Plus et je la recevais en un jour gratuitement. Donc bon, bah j'ai dit bah allez vas-y, on prend la livraison en un jour gratuit. y a pas de souci. Et du coup, bah ça marche pas mal. Non mais c'est bon. Voilà, encore. Ah ouais, 3 tonneaux. Altitude inversée basse. Oh mon dieu, ah, avec les éoliennes au bichio, ouais ça. Ça va être fun. Ça va être fun. Je suis pas assez bas là, si c'est bon quand même. Tout va bien. Hop. Voilà. Et puis vas-y, petit looping. Donc ouais, j'ai pris la livraison en un jour ouvré. Ah du coup, vu que j'avais 135 balles de chèque cadeau, bah au final j'ai eu que 4 cartes cadeaux à prendre. Et la console, elle m'est revenue à 124 balles quoi. Au final. C'est pas mal. Ah mon dieu, ah, faut pas regarder l'écran, ça fait mal aux yeux, ça fait vomir. C'est terrible. C'est terrible. Ah ouais. À la Fnac, ils sont efficaces. Hein. En plus, le pauvre, là, le livreur qu'il y avait ce matin, le gars, c'était un nouveau, c'était son premier jour et il comprenait pas comment le. Bon, écoute. À son logiciel d'enregistrement des livraisons, il marchait. Du coup, il galérait avec son smartphone. Si tu veux tester une nouvelle figure, c'est ton droit. Ah, ça bip. On est tous derrière toi. Mais piloter un sprint en haute mer, c'est juste irresponsable. Enfin, je dis ça. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des gars qui l'ont déjà fait ou qui le feront plus tard. En résumé, avant de dépasser ses limites, c'est important de savoir où elles sont. Non, c'est pas là. Là-bas. Non. Bah, c'est un peu de la merde, là, cette histoire de bip. Si encore il donnait une vague direction d'où ça peut être, ce serait pas mal. Attends, il y a une flèche là-bas, c'est quoi? Voir. Elle est où la flèche? Quoi, ces conneries? Ah, c'est par là. Oh mon dieu. Ça va mal finir. Non, j'arrive pas à le trouver. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un joueur. C'est un joueur. Mais non, mais on s'en fout du joueur. Moi, ce que je veux, c'est le bip. Il est où le bip? Ah, bip bip. Non. Là-bas dedans, non? Non, là ça bip plus. Ah, là ça bip. Ah, donc ce serait par là alors, c'est ça?
Non. Ah, ouais. Ah, c'est pas clair. Non. Ah nom de Dieu. Attends, on peut pas changer de voiture là, comment ça se passe? Comment on change de voiture? Enfin, je veux plus de l'avion, en fait. Non, c'est pas ça. Attends, peut-être dans le menu. Ah, voilà. Ah, genre, je prends celui-là. Bip, bip. Ah, parce que là, du coup, c'est de la merde, mon avis. Ah, ça pue. Ah là! Ah ouais, d'accord. C'est bon. Vas-y, donne. Ah. Red Dead 2. Ouais, moi, c'est déjà fait, Red Dead 2. Là, du coup, j'ai Red Dead 2 en attente. J'ai Smash Bros. Aussi. Smash Bros. Hop. 42. C'est pareil. Un peu nul. Ah non, 67. Ok, ouais, c'est mieux. Ok. Après, là, c'est que les trucs de base. C'est lequel, mon 4x4 amélioré? Et mon petit poney, 51, 44, 42. Ouais, c'est celui-là. Voilà, 53, on est bon, là aussi, là aussi, là aussi, ok. Voilà, alors, du coup, moi je prends celui-là, hein, la base, et du coup maintenant qu'est-ce qu'on se fait? Ah bah des bisous, ah, des bisous, c'est l'heure du goûter. Hop! On en est où là? 53 sur 50? Ouais, je sais pas trop. On faisait quoi? On faisait de l'avion. On faisait de l'avion. Ah, le Monster Truck, je pense pas que je puisse le faire encore. Bon, on peut se faire du bateau legit. Voilà, des vraies épreuves de bateau. Ah, par contre, j'ai pas le bateau assez puissant maintenant. Ah bah bravo! Mon bateau, il est trop lotière. Je vais me faire ouvrir. On va peut-être pas faire ça alors. Voilà, on va tenter celle-là plutôt. Ok. Ah ouais, avec un peu de retard. Qui t'encourage avant la course, qui te dit de garder ton calme et ton professionnalisme. Mais voilà mon conseil perso. Fais regretter à Clarence le jour où il a appris à conduire. Hop, facile. Ah ben on l'avait pas déjà fait tout à l'heure ça. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'étais un peu décédé comme un caca à la fin. Bah, du coup, j'étais parti sur autre chose. Il y avait une histoire comme ça. Ah mais non, mais casse-toi, ah, putain. Ah, les enflures. C'est vrai que là faut freiner. Faut freiner sur ces circuits. Ah ouais, je m'étais gaufré à la toute fin. Je me rappelle. Mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Ah putain. Non mais sans déconner. Ah le gars il me bourre à l'infini. Ah je crois que je l'ai énervé.
J'ai dû l'énerver, le bonhomme. Il est pas content. Attends, pousse-moi. S'il te plaît, fais pas le con. Le premier, il est encore là, il faut... en profiter, essayer de le choper, parce que... Ah, mais il pourrait rester dans sa trajectoire, là, l'autre. Ah, il m'a tellement... tellement mis la max. L'autre, il me pousse, du coup, il m'envoie dans le décor. Ah, génial. Je suis fier de toi. Ah bon? Pour de vrai? Pourquoi t'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Allez, mais le premier là il est parti, hein. C'est mort. Ça me paraît un peu mort. Il est tellement loin. Vas-y, pousse-moi! Moi je veux qu'il me pousse. Eux ils m'évitent, mais moi je veux qu'il me pousse. Y a pas de problème. Vas-y. Je lui crée de l'aspiration, comme ça il va plus vite que moi et après il peut me pousser. C'est ça ma strat en fait. Mais ça marche pas très bien pour l'instant. On va bien l'avouer. Ah mon dieu. Non. Ah ce virage, la chicane, je la négocie tellement mal. Je crois qu'il y en a un qui est en train de me maudire. Je crois qu'il est pas très content. C'est pas grave. Allez, on va y arriver. On va bien se passer. Allez. Alors, le premier, il est encore atteignable, hein, techniquement. Mais... Ah, faut bien jouer, quoi. Salut Vicente, comment ça va? Ok. Ah, faut bien jouer, je sais pas faire. Ah, la chicane. Toujours la même. Non! Repasse derrière. Retourne d'où tu viens. Ah, comment vas-tu? Ah, t'es dans la course du stress infini. Hein. Il faut que j'arrive au moins 3ème. On est 80%. Je suis sûr que je peux avoir le 2. Enfin, le premier, ça me semble complètement impossible. Et le 2, ouais, c'est faisable. Ah, vite! Non, même avec la nitro, je l'aurais pas. Il est trop loin. Allez. Ah mon dieu, est-ce qu'on va y arriver? J'y crois à fond. Pousse-toi. Ok, tout va bien. Mais non mais... Voilà. Casse-toi. Ah oui. Ah, c'est propre. Ah putain, c'est bon, on l'a eu. Ok, donne-moi mon loot. Ah non de dieu. Ah, du jaune. Incroyable. Vas-y. Ah, donne-moi cette victoire éclatante. Ah putain. Ah, c'était pas propre. La conduite à la Romain Grosjean. Ah, je sais pas qui c'est, mais je suis déjà fan. Y a pas d'embrouille. Ah, c'est mon idole. Je vais aller voir qui c'est tout à l'heure sur internet. Je vais accrocher un poster de lui sur le plafond au-dessus de mon lit. Comme ça, quand je suis couché, je le verrai. Ça va être génial. Bienvenue à une ancienne tradition familiale, la course héritage de la famille Bishop. 3 générations de Clarence Bishop dans une même compétition. Il la sponsorise chaque année et c'est toujours un Bishop qui la gagne. Ça te dirait pas de commencer une nouvelle tradition en les défonçant ?
Mais du coup, chaque épreuve, chaque type d'épreuve a son arnaque en fait. Tu vois, la moto, tu peux passer à côté des boss. Et là, dans les courses de à Gran Turismo, tu vois, tu peux totalement faire des têtes à queue aux concurrents. C'est totalement la strat. Pour gagner sans te faire chier, voilà, tu têtes des murs. Vu que tes concurrents, tu peux pas t'appuyer dessus. Vas-y, pousse-moi un peu, voilà. J'ai un peu trop freiné, mais c'est bon. Tout va bien se passer. Allez hop, voilà, on va l'exploser, le gars. Soit ça, soit je m'explose dans les murs. C'est au choix. À Clarence the Third. Comment ils font pour aller aussi vite dans les virages? Moi, je pars en extérieur à chaque fois. Faudrait que je prenne les virages à la corde. Au lieu de faire n'importe quoi comme ça. C'est pas propre. Hein. Je prends pas les virages à la corde. Allez, boost! C'est de la F1, mais non, mais tout va bien. Voilà, je lis le chat aussi, je suis pas... Ah, le gros Jean, tu veux dire, c'est de la F1. D'accord, ok. Tu as fait un Spa Francorchamps. Ok. Je sais pas pourquoi je me fais chier à freiner pour essayer d'éviter les murs, alors qu'en fait faut juste foncer dedans. C'est tellement plus simple. Regarde, paf, voilà, tu tournes. Y a pas de problème, et tu rattrapes tout le monde. C'est génial. YOLO. Ah, il m'a freiné. Ah, le salaud. Il va tellement me détester. Tu crois qu'ils sont rancuniers dans le jeu? Ah, je sais qu'à une époque, c'était le grand trip des développeurs de jeux de voiture. C'était de faire des IA rancunières. Tu sais, quand tu leur rentrais dedans, après, ils te prenaient en chasse. Et ils voulaient à tout prix te foutre dans le décor et tout. Tu crois que c'est pareil, hein? Ah ouais, non, ça tourne pas bien. Il faut quand même freiner un minimum. Je fais quelques tests, là. Ne vous inquiétez pas, je suis pas totalement bourré. Mais c'est juste pour voir à quel point on peut abuser des murs, en fait. Que je fais ça. Profite bien de la dernière place. Je t'enverrai une carte postale du podium. Ah, génial. Ah, du coup, t'as la vidéo. Ok, je vais aller la regarder après. Bon, du coup, la victoire s'annonce un peu compliquée quand même, je vous avoue. C'est pas terrible. Allez, hop. Voilà, easy. Allez, j'ai rattrapé mon retard et maintenant je peux bourrer à la nitro et tous les dépasser sur la ligne d'arrivée. Ils vont pas comprendre. Chaque fois, j'essaye de bien me positionner pour les doubler proprement, mais ça passe jamais. C'est terrible. Allez, bouge! Vas-y, c'est l'arrivée là-bas. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a le troisième avec eux? Non, il est même pas là, donc c'est mort. C'est mort de chez mort. Dommage. Non ! Ah, il me double sur la ligne. J'avais pas de banane. C'est pour ça. Ah, sans banane, moi, je sais pas faire. Je sais pas faire. Attends. Ouais, du coup, je coupe le son. Je vais voir ce qu'il fait. Ah ouais. Ah mon dieu. Ah bah bravo. Ah c'est du propre. Ah on le voit de plusieurs voitures différentes. Mais le gars il a tellement rien dû comprendre. Ah merde. Imagine le pauvre gars sur lequel le gars il s'est ramassé ses pneus là.
J'avais rien demandé. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Allez, c'est reparti. Ouais, du coup, ouais, le grand tourisme. Ah, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Ah, l'avion, on a déjà fait. Qu'est-ce qu'il reste du bateau? Ah, le bateau, ouais, je suis pas... Vas-y, on tente quand même. On dirait que Clarence a décidé de nous honorer de sa présence aujourd'hui. Incroyable. Sympa de sa part, mais on peut pas vraiment en dire autant de sa manière de piloter. Garde un œil sur lui, surtout à l'intersection du circuit. T'inquiète. De toute façon, en bateau, je suis invincible. Moi, j'ai... Oui. Je suis un navigateur professionnel. J'ai Elisabeth avec moi. Il peut rien m'arriver. Ok, donc avec le boost, ouais, j'arrive même pas à bien les dépasser. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. Je me dis que la victoire est potentiellement possible. Il y a clairement un truc à faire. Où c'est vous? Ok. Ouah, on voit tellement rien. Ah, navigation en aveugle. Ah, YOLO. Ah, YOLO. Les courses comme ça, c'est pas bien. On va où? Là-bas. Ah, on a fait un tour. Non, non, non. Restez derrière. Ok, donc il n'y a que deux tours. Ouais. Ça devrait le faire. Allez, on va y arriver. Pitié, pas de mur. Mais d'où il sort, lui? Casse-toi! Vas-y, toute voile dehors! Bah ouais! Non, y a pas de voile, mais voilà quoi. Salaud! Ah mon dieu. Ok. Heureusement que tu peux te réorienter en l'air. Parce que sinon, ce serait pas cool. Ah, il va! What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mon dieu! Non, pas à l'arrivée! Ah le salaud! Il m'a eu pile à l'arrivée! Ah putain! Ouais, le ciel est joli, ouais, mais du coup, on voit rien! On voit rien! C'est totalement nul! Il fait tout noir! Et alors? Où est mon loot? Donnez-moi mon loot! Ok. C'est quoi cet anneau en l'air là? C'est pour les avions ça. Aérobatique, ouais c'est ça. Hop. Vas-y, on t'améliore. Parce que là il faut 121. Normalement c'est bon. Là maintenant j'ai le niveau théorique. Hop. Le Hoover Dam, le lac Mead, autant de merveilles d'ingénierie humaine. Mais bonne nouvelle, on les a élevés encore un peu plus haut en les transformant en circuit de course. Eh, incroyable. L'esprit de compétition est au cœur de l'effort humain. Tu sais quoi? T'as raison. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Allez, c'est parti. Deuxième course où on voit rien. Tout va bien se passer. Allez. Ah, YOLO! Oh mon dieu, ah, tous ces ballons. C'est quoi ça? On peut pas passer au milieu. Ça me paraît compliqué. Okay. Allez, tout va bien se passer.
Elles sont stylées les courses en bateau. Je pense que le bateau c'est les meilleures épreuves du jeu. C'est plus trippant. Parce que... Et ce bateau là, pas le bateau qui tourne dans tous les sens. Ah, ce bateau là il est horrible. Ah merde. Non. Ah putain. Ah ils reviennent tous, ça y est. J'ai merdé, ils sont là. Bravo, t'as vu à quoi ça sert l'entraînement? Non. Ça sert à quoi? Ah mon dieu. Jeanne revient. Ah la vague du premier elle m'a éjecté. Ah putain, je vais encore pas arriver premier parce que l'autre il est devant. Ce qui paraît totalement logique. Je vais pas arriver premier parce que l'autre il est devant. Ah mon dieu. Ah, ça peut faire une phrase d'anthologie ça. Vous pouvez clipper, on le gardera pour mes mémoires. Ce qu'on essaie... Le jour où je publierai ma biographie, je le mettrai en couverture. Salut choucroute. Ouais, je suis sur PC. Bah, si t'as envie de venir, vas-y, hein, viens, y a pas de souci. Après, je sais pas du tout comment marche le mode multijoueur. Je te préviens. Attends, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Sinon, on risque de perdre l'intérêt des fans qui vont finir par être blasés. C'est pour ça qu'on court comme on le fait aujourd'hui. Ouais, génial. On peut toujours faire du surplace ou revenir en arrière. Ok. Alors, du coup, je sais pas comment ça marche. Attends. Tu peux m'ajouter en ami si c'est nécessaire. Il doit y avoir mon idée au milieu, là, je sais pas trop où. Ouais, s'il y a Youplay, c'est bon. C'est Mikablo 1. Ah, du coup, tu me dis quand c'est bon. Et puis on y va. Mais par contre, ouais, je sais pas comment ça marche en fait. Hein. Va falloir m'expliquer. Alors, donc les courses de bateau, on a tout fait, ça y est. Ouais. Ah, il faut que je sois une star maintenant. Parce que là, je suis que célèbre. Ah, ça y est. Alors. Ah, du coup, il est où Youplay? Bah, Youplay, il est même pas lancé, en fait. Comment ça marche? Il doit être lancé, mais... Il doit pas être visible. Alors, attends, faut que j'aille le chercher. Youplay. Ubisoft. Vas-y, fais voir. Non? Il avait pas chargé, encore. C'est bizarre. Alors... Ah, comment on accepte les amis? Amis et groupes? Là. Ouais, donc j'accepte. Voilà. Ah, du coup, ça met que t'es dans le jeu. Et après... Après... Attends, non, je veux pas faire mes Youplay. Après, j'en sais rien. Ah, t'es dans le Discord. Ah ouais, alors attends. Hop, voilà, faut que je me connecte. À Touk, du coup... va falloir que je l'affiche aussi sur le stream, c'est pas mal. Voilà, hop. Voilà, bonjour. Oui, non. Ah. Comment ça va? Bien. Alors, du coup, comment ça marche alors le mode multi? Ça, je t'invite. Tu m'invites? Ouais, attends. Je vais peut-être te monter un peu le son. Tu fais un peu de drift ou pas? Drift, j'en ai jamais fait. Ah, c'est simple. Tu peux monter une voiture en deux secondes. Ok. On va tester. Hein. On va juste acheter. Allez. Hop. Attends. Par contre, il faut que je rétrécisse le Discord. Parce que sinon, j'ai plus rien. J'ai plus de retour. C'est dramatique. Et du coup, l'invitation, elle est où? Tu verras. Tu joues avec manette ou pas? Ouais, je suis à manette. Ah, c'est bon. Je t'ai invité là. Ah, voilà. Déployer, accepter. Ah, c'est bon.
prêt. Donc j'ai rejoint le crew. Alors, est-ce que t'as une voiture de drift? J'en sais rien, je pense pas. Pas encore? Non, je crois pas. Je vais voir dans les activités, fais voir. Ah, drift, je suis à 0%. Ouais, non. Faut que j'aille au QG. Vas-y, va au QG. Pas cher, hein. Tu prends la toute première voiture. La Ford GT, là. Ouais, ouais. Ah, deux secondes. La Ford GT. Ouais. Il y en a plus des gratuites de voitures maintenant, c'est un peu nul. Hein. Ouais. C'est un peu nul. Alors attends. Ford Focus RS, non, c'est pas celle-là. Non, c'est celle à gauche. Un Mustang GT, c'est ça? Ouais. 184 000. Pff. Ah, c'est cher. Franchement, ça va. Tu veux un peu d'argent? Tu veux, je te prête un peu. Non, c'est bon. T'inquiète. J'en ai un peu trop. Hein. Tant que ça? Bah j'avais 3 millions. Ah oui, quand même. Tu l'as acheté la Ford GT du coup? Ouais, là je l'ai acheté. Il est en train de me dire qu'il y a des nouvelles activités, mais on s'en fout. Voilà. Et du coup maintenant, comment ça se passe? Sors. Sort du garage. Ouais. T'as acheté ça berne tellement tout seul. T'as acheté non, pas celle-ci. Pas la. T'as acheté la blanche? Ouais. C'est pas celle-là. Juste que je l'ai peinte en rouge. T'es avec la voiture bleue là? Hein? Quelle voiture bleue? Non, c'est pas moi. Attends, je te vois. Ah non, t'es derrière moi là. Non! Là. T'as acheté la mauvaise? Bonjour! T'as acheté la mauvaise? J'ai acheté la mauvaise, pourquoi? Ouais, c'est la Shelby 500. Ah bah, je vais plus avoir le pognon. Mais pourquoi faut acheter une voiture en particulier? Celle-là, c'est la meilleure. Vraiment, je te dis, c'est la meilleure. C'est la meilleure des voitures. Ah, t'inquiète, hein, ça va aller. Bon, du coup, on fait quoi alors? Donc là, je vais t'inviter. Et là, tu verras, c'est tout simple. Bah, je vais te faire 3 courses, peut-être 4 courses. T'auras peut-être assez pour acheter la voiture. Et après, je te dirai les réglages pro que tu dois faire et tu verras que ça ira tout seul. Ah ouais, mais tu verras, ça ira tout seul. Elle est juste trop bien. Ça sert à rien d'acheter les Lambo, les machins et tout. La musique. Et après, bah voilà, la 3 vitesses, celle-ci, c'est trop de la balle. Clairement, c'est trop de la balle. Et du coup, ouais, faut faire des points. Après, on n'est pas. Faut éviter de faire des. De tout casser, quoi. Tape juste pas le poteau à l'entrée. Ça va être compliqué. Non, je détestais les épreuves de drift dans le premier. Ah, non, mais. Bah, pas pareil. Clairement, c'est pas pareil. Bah, c'est pas pareil, mais. C'est toujours pas bon truc. Non, t'arrives pas. Tu vois que tu vas kiffer. Ah mon dieu. Ah putain. Ah, une fois que t'as lâché le Shelby 500, tu verras, ça va aller. Ça va aller. Ouais, non. Ah, moi je vais retourner sur mon bateau. Ah, j'étais bien sur mon bateau. J'aime bien les tu bateaux. Fais du bateau. Ouais. Ah ouais, que là le drift, ouais non, c'est pas pour moi, clairement. C'est compliqué. Maintenant. Faut faire 250 000 points. Ah oh, putain. Je vais tellement jamais y arriver. Merci. Ouais, j'ai de sérieux doutes quand même. Et si c'est moi qui win, c'est pareil, hein. Parce que... je sais pas comment je suis, là. Là, je suis à 8 000, 9 800, là, je suis. Il reste 15 secondes.
Moi, je dois être non, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Ah, c'est... Tu verras, c'est le coup de main. Ouais, ouais, bah je sais bien, mais j'ai pas envie de... Ça va. C'est pas le truc qui m'intéresse, quoi. C'est pas le truc qui m'intéresse. C'est bon, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Oh, t'as combien, incroyable. Ah, mon dieu. Et en plus, t'as les pièces légendaires, hein. Ah ouais. Normalement, hein. Ouais, ouais, je les ai. Je les ai, je les ai. T'as eu des jaunes, là? Ouais, j'ai eu des jaunes. Arrête. Bah, je crois. Il me semble, hein. J'ai vu du jaune, hein. Ouais, j'ai du jaune. Oh là là. Ah, la chance. T'as vraiment de la chance, putain, je n'ai qu'une aujourd'hui, là. Mais c'est parce que le jeu, il a vu que j'étais ultra mauvais. Il s'est dit, oh le pauvre. Il faut faire quelque chose. On va lui filer un peu de jaune parce que pour essayer de compenser. Mais même avec le jaune, de toute façon, ouais. Oh, c'est pas... tellement bien. C'est pas fou. Parce que là, t'as combien là? À combien de quoi? Combien de... De sous, d'argent. Ah bah pas beaucoup là, j'ai dépensé plus de la moitié pour acheter la voiture. Il me reste 84 000. Je sais, je peux même pas savoir combien qu'elle coûte, c'est ça le truc. Ouais, non mais je veux pas piquer ton pognon, hein, de toute façon. Attends, sur mon téléphone. Ouais. Bah du coup pendant ce temps je vais lancer une épreuve de bateau. Enfin si je peux, je sais même pas si je peux quand je suis chez quelqu'un. Hop. Voilà, petit bateau. Ah non mais j'ai tout fait en bateau. Ah sinon on se fait de l'avion. L'avion il en reste une, ouais. Vas-y. Aujourd'hui, on va voler dans la zone d'exclusion aérienne de DC. Je crois pas qu'on puisse faire plus freestyle que ça. Ah ouais, non mais le drift, c'est compliqué. C'est pas pour moi. Ah déjà dans le 1, bon, j'avais fini par choper le coup de main, mais... Ah c'était de la merde. Ah, parce qu'en gros on te mettait sur un parking et... Oula. Et du coup... Non mais tout va bien. Voilà, j'explore la physique du jeu. Finalement. On teste des trucs. Est-ce que le bateau flotte? Non, le bateau ne flotte pas. Incroyable. Mais du coup, ouais, là, apparemment, ils ont fait des circuits spéciaux. Ça a l'air un peu moins pire. Mais ouais, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Alors bon, j'imagine que c'est la méthode la plus efficace pour farmer le pognon. Pour drifter avec l'avion, ouais, y'a pas de... C'est facile. Hop. Rotation latérale. Allez, c'est parti. Parti toujours. Ouais, pourquoi la caméra elle tourne pas cette fois avec... Mais c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. La caméra elle a changé. Ça fait plus le vomi. Il est bizarre ton bateau, il a des ailes. Bah ouais, parce que les bateaux c'est mort. J'ai tout fait. J'ai tout fait en bateau. C'est tellement bien. Que du coup, ça y est, j'ai poncé, voilà, le jeu. Vas-y, champion. Non mais attends, la caméra fait n'importe quoi par contre. La petite leaping. Ah mon dieu. En fait, je suis pas du tout fan de cette caméra. Comment la... Voilà, comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Piqué vers le sol. Ouais, suicide. Ah. Mais non, mais tout va bien. Attends, on met le turbo pour monter plus rapidement. Et là, on redescend. Voilà. Allez. On peut tenter de se rapprocher du sol. Heureux.
Ah, du coup, je suis parti dans une épreuve d'avion en attendant. Ouais, je t'ai vu. Et tout va bien. Je gratte des points. Voilà, là, j'arrive à faire mes points. Ouais. Tout va bien. Ah, voler le plus bas possible. Attends, j'y retourne. Parce que là, on était bien en plus. Juste au-dessus de l'eau. C'était cool. De votre avion orienté vers le sol, comme ça. Ben ouais. Vas-y. Ben, les arbres, c'est pas ce qui manque là. Et alors? Non, faut passer au milieu, non, peut-être, je sais pas. YOLO! Non, ça a pas l'air d'être ça. J'ai la gerbe. Mais non, mais tout va bien se passer. Non, par contre, l'objectif là, il est pas très clair. Je vais essayer de passer au milieu du pylône. Pas trop. Voilà, à l'envers, vas-y, on y va à l'envers, finalement. Parce qu'à l'endroit, c'est surfait. Je sais pas si c'est le bon avion que j'ai. De toute façon, là, c'était la dernière épreuve d'avion que j'avais disponible, il me semble. Là, il faut que je devienne une star maintenant. Ah mon dieu, il s'est pris un arbre. Tu viens avec moi en drift, tu deviens vite une star. Hein. Tu sais, je me fais quasiment un niveau par course. Ouais, mais le drift. Ah voilà quoi. Tu revends ta voiture que t'as achetée, tu achètes la Shelby, il n'y a pas de soucis. Ah, tu peux revendre tes voitures, je savais même pas. Je crois, ouais. Ah, ça, du coup, ouais, c'est l'épreuve que je viens de faire. Ah, sinon, qu'est-ce qu'il me reste à faire concrètement? On peut, franchement, tu te mets trop bien après. On peut regarder. C'est quoi Drag Race? C'est de la. Ouais, je vais pas avoir la voiture. Non, c'est. Je sais même pas comment t'expliquer. D'accord. Sinon, j'ai le Challenge School, là, j'ai jamais fait celui-là. Vas-y, on va essayer. Ouais, mais attends, t'as pas les niveaux là? T'as pas mais c'est une voiture prêtée. Y'a pas besoin d'avoir de niveau. On t'en donne une. Ah ouais. Chevrolet. C'est quoi ça? C'est une Camaro, non? Bon. Me semble-t-il. Ouais, ça a l'air. Allez, vas-y. On va gagner. On va la faire facilement. Ah, hier, ouais, j'avais du mal. Mais hier, je commençais à peine le jeu. Maintenant que je sais conduire. Oh, les gars, j'arrive, je les pousse direct. Oh mon dieu. Ah non, mais il me gêne, lui. Voilà, c'est bon. Mais il va plus vite que moi. Salaud. Ah bah ouais, je m'en rappelle de cette course. Je m'en rappelle, je l'avais tenté hier soir. Mais elle est longue, hein, il me semble. Il me semble qu'elle est longue. Attends, faut pas remettre mes... C'est bon. Mais pourquoi je suis premier? Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer un truc. Oh mon dieu, j'ai peur. Ou alors c'est toi qui ralentis toutes les IA en faisant exprès de rester derrière, non? Peut-être. Non, en fait non, elles te suivent à ta cadence. Elles vont à ta cadence? Ouais, mais je sais pas. À ta cadence, à toi. Hein. Au premier, toujours au premier. Moi, j'étais en train de configurer mes... Mais j'arrive là. Là. J'ai refait les paramètres. Ah ok. Parce que là je les vois pas alors qu'hier je galérais de ouf. Mais c'est dommage que tu t'aimes pas là, franchement. C'est tellement bien. Ouais mais c'est pas après, grave. Après moi je me balade dans la montagne et c'est petit. Hein. Après c'est ce qu'ils disent dans le jeu, tu vois. Tu fais ce que tu veux. S'il y a des trucs que t'aimes pas, c'est pas grave. Tu les fais pas. Y'a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est cool en termes de philosophie à ce niveau-là. Ah mon dieu le pont, ben c'est bon.
peux rattraper, mais ça va être tendu. Hein. Ah ouais, là ça. Ah mon dieu, vite. Je les vois même plus, hein, les IA. J'ai aucune idée d'où ils sont. J'ai un kilomètre là. Ah, pourtant, je me suis pris un arbre, j'ai été arrêté net. Les gars, ils m'ont pas rattrapé. Y'a personne. Je suis à 2 km, je suis plus qu'à 1 km 2 là, mais... Elle est longue la course, hein, potentiellement, tu vas peut-être les rattraper. C'est pas la plus ouais, longue, c'est pas celle qui donne le plus. Ah bah ça y est, j'arrive. À... La plus longue, c'est en street race comme ça, c'est celle qui dure 10 minutes là, en relais. Ah, 10 minutes? Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. Mais elle est longue, hein. Je veux bien le croire, ouais. Je crois que ça finit plus. Il y a des vaches qui volent. Non mais tout va bien, ce jeu est parfait. Ah ouais, ouais. Ah, 100 mètres de l'arrivée, eh ben non. Ah, bonjour. Ah, salut. Mais là, on fait des autres, si tu veux. Hein? On fait des autres courses street. Ah ouais, ouais, pourquoi pas. Attends. Je l'ai calé. Hop. Vu qu'on est pas oula, officiel, par contre, je suis en bas d'un avion. Du coup, à la place, on a la liste. C'est comme un classement non officiel des 10 meilleurs pilotes. Quand t'es sur la liste, les gens commencent à savoir qui t'es. Et si jamais t'arrives à être numéro 1, et ben, t'as tout gagné. Sauf que... C'est ça. Alors attends, pourquoi j'ai changé de voiture, moi, en fait? J'en sais rien. Tac. Tac. Erogamer. Ah, toujours pas de carte cadeau. Mais ça va venir, t'inquiète pas. Là, de toute façon, les French Days, ça dure 5 jours. C'est bon? Ça dure 5 jours, il me semble. Bah, donc, patient. Ouais, mais il y a un hélico. Chaque chose en ouais. C'est quoi cet hélico? Ah, mais c'est à toi? Moi. Ouais. D'accord. Ok. Ah, je savais pas qu'il y avait des hélicos dans le jeu. Je suis quasi sûr de l'avoir déjà dit, mais je crois que des fois, t'écoutes pas. Mais bon, c'est vrai que j'écoute pas. C'est pas ça qui va m'empêcher de parler. Donc... Tu te rappelles qu'en participant aux épreuves, tu peux gagner des pièces pour customiser tes véhicules. Et qu'après, tu peux les équiper dans la maison. Tu peux même en acheter de nouvelles si ça te dit. Ah, tu peux acheter des pièces. Oh mon dieu. Ah, mais je découvre des trucs, quoi. Aujourd'hui, les flics font la course avec nous au lieu de nous courser. Dis-moi quand c'est bon. Qu'ils font pas semblant. Ouais, là, je viens de lancer. C'est mieux pour nous d'être du bon côté de la loi. Sauf si on a le malheur de les battre. Enfin. Par contre, tu risques d'avoir mal aux oreilles, hein, je te le dis. Pourquoi? Bah j'ai la Kawa qui est buggée en fait. Si tu veux, en fait le son de la Kawasaki H2 est plus fort que quand toi tu l'entends, tu vois. Les ah autres, génial. On est bien dans un jeu Ubisoft, tout va bien. Mais tu peux y aller en moto? Ah ouais, ah ouais. Mais what the fuck? Ah, ça veut rien dire. N'importe. Bah de toute façon vu comme tu traces, je pense que je vais pas beaucoup d'entendre. Ouais. Ah mon dieu. Ah bah bien sûr, à Ubisoft ils ont les bugs dans le quota, c'est normal. Mais je leur ai envoyé. Ça fait partie de leur ADN. Ils m'ont pas encore répondu. Je jure. Ah ouais, non, j'ai loupé le. J'ai loupé le checkpoint, moi je voulais te rattraper, attends. Je vais carrément faire ça. Oh, ça va être au-dessus de moi, attends. Mais là, ouais, c'est pas ma moto que j'ai, tu vois. Avec la moto, j'ai l'habitude de tout couper, là j'ai essayé de couper, mais c'est une mauvaise idée. La moto, par contre, ouais, c'est open bar. Qu'est-ce que je fais? Ouais, clairement, c'est... Parce que les virages, tu peux trop les prendre trop bien en fait. Ah oui.
Ah, je passe au milieu. Ah voilà, ah, vous êtes venu pour voir ça, je le sais. Ah du coup, je fais exprès évidemment. Meilleure course de l'univers, ah mon dieu. Ouais, je vois ça sur mon deuxième écran là, c'est chaud. Hein. Non mais tout va bien se passer, ils ok. Là je vais les rattraper. En fait je leur laisse un peu d'avance parce que j'ai remarqué qu'ils avaient aucune chance contre moi. Donc je les laisse partir devant et après je les rattrape. Puis de toute façon il faut les laisser gagner une fois de temps en temps, sinon après ils sont découragés et ils rage quittent. Hein. Ouais c'était ça. Dommage. Ah ouais. C'est pour ça il faut les traiter correctement. Il faut savoir perdre pour mieux remporter la victoire. C'est parce bon. Que certaines victoires prennent la forme de défaites. J'ai fini. Ah, GG. Non mais 25 secondes pour finir, ouais j'y crois à fond. Attends, je vais essayer de te rattraper. Ah mais c'est totalement faisable. Vu comme j'ai conduit. Oh, t'es où, là ? Ah mon dieu. Je vois pas. Mais c'est bon, c'est parce que je vais trop vite. Ah mais j'ai presque un tour d'avance mais... Allez, yo mon loot. J'ai fini dernier, je mérite bien un loot légendaire. Non, tu l'auras pas ton légendaire. Ah je suis déçu. Que... Pas de la course là déjà. T'es un normal hein. Ah bah oui. Alors attends, du coup c'est ça, voilà. Hop. Ok. Allez, suivant. Maintenant que j'ai remporté une victoire éclatante. Un véhicule prêté encore. Non, pas de véhicule prêté. Ah bah si. Ah bah non. Tu vas pouvoir traverser. Un petit Harley Davidson. Oh non, mais pas celle-là. C'est la plus longue. Ah, génial. Oh ouais. Il va juste falloir que t'affrontes d'autres fans. Ça va être long, je te le raconte. Oh. À toi la victoire, façon beau gosse Easy Rider. C'est la plus longue. Le record mondial est 8057. Celle-là, je l'ai fait en... je sais pas. Alors attends, en oui, la ligne de départ déjà. C'est là-bas. Ok. On va rigoler. On va voir du pays. Ouais. Je crois qu'on fait, voilà, tout le pays d'est en ouest. Y'a pas une course où tu fais tout le pays? Non. Ah c'est dommage ça. Une course d'endurance, tu sais, où tu fais... Ah tu fais une boucle. Ah dans 10 minutes hein. Ah ouais ouais ouais. À tout droit pendant 10 minutes. T'imagines? Ah, mais des fois t'as des angles droits, c'est un peu chaud tu vois. Alors clairement, bon après faut couper hein. À un moment tu peux couper trop bien, tu gagnes trop de temps. Ah bah ouais, bah comme un peu toutes les courses hein, de toute façon. Et comment ça se fait qu'ils vont beaucoup plus vite que moi là-bas? Hein? Ils vont beaucoup plus vite que moi les gars. Ah bah allez me suivre. Je t'ai dit. Ouais. Tu vois là j'ai déjà loupé le premier virage. Vas-y. T'en fous le... Pas Las Vegas non. Si là c'est Las Vegas je pense. Ouais. Avec c'est multicolore. Ouais ouais ouais. Si t'as le désert autour. Ah non, je pensais que ça tourne. Ah je fais n'importe quoi. Ouais mais faut pas les louper les embranchements. Ah non. C'est non. Chaud. À moins qu'il fait des contre-sens en plus. Enfin, après là, c'est tout. Trop bien. Allez, je suis combien? Je suis 5ème. Waouh. Ça va être chaud à rattraper les autres. Je sais pas, j'ai que le 3 secondes.
Bah ouais, une course dans tout le pays, ça aurait été stylé. Ah mon dieu, je suis parti à contresens. J'espère que ce... Il va pas y avoir une sortie, non c'est bon. Non, non, pas encore, c'est après. Je me crois dans Burnout, moi. Moi les motos, je les pilote pas là, tu lances après. C'est à contresens. Ah, t'as... Okay. Oui, non. Les motos, je les pilote près de personne, moi. C'est quand même mieux, tu vois. Ouais. Attends, viens. Que voir ton perso, ça prend. Je vois assez souvent. Ah ouais, perso, ouais, moi je le vois, mieux je me porte. Est-ce que les persos dans The Crew 2, ils font peur hein. Ils font peur. 3 minutes, hein, que 30%. Hein. Et easy. Moi j'aimerais bien revoir le quatrième un jour, éventuellement. Allez, c'est il, est, fait, il est à 900 mètres là, 950. Ah non mais c'est toi en fait à 950. D'accord. Et je... Ah ouais, bah, ouais. C'était pas Warsite en fait de couper. C'est pas Warsite du tout de couper. Il faut rester sur la route. À un moment tu peux couper. Ouais mais là c'était pas comme vraiment là, pertinent. Tu montes dans l'est, là tu peux couper à l'angle droit. Ouais genre là. Oula. Et après dans la grande boucle, tu coupes aussi. Tu vois, il y a une grande boucle sur ta map. Coupe. Un gamer, ouais, parce que on a tous le même véhicule en fait. On a tous le même véhicule, mais c'est juste que je me suis gaufré un peu au début, donc je suis un peu à la ramasse. Mais tout va bien se passer. Oh oui, mais tout se passe bien. Ah bah oui. Là, quand il y a tous les LS, tu coupes. Oh mon dieu, mais non mais il arrête pas de se gaufrer. C'est terrible, il sait pas conduire ce perso. Voilà, parce que là ouais ça vaut le coup. Avance. Ah putain, par contre il est limité à 100 km/h en plus, ouais c'est pas... C'est pas le GG non plus. Ouais. Ah ouais, et puis là tu vas pouvoir... Ouais. Allez hop. YOLO. Ah merde, ça c'est un arbre. Vite. Allez, c'est bon. Tout va bien. Ah ça c'est des rochers, bon, on va éviter de passer au milieu. Ok. C'est bon. Easy. Ah, je suis toujours toujours cinquième, mais... Ah putain. Non. Ah du coup ça marche pas. Ah putain. Mais sans déconner. Voilà, c'est bon. Moi, je crois que je vais juste safeiser la... La cinquième place, ce sera pas mal. On va envoyer Terence aux oubliettes. Vas-y, casse-toi. Allez. Ouais, t'as que 2,5 km d'avance, c'est bon. C'est bon. Ouais. J'ai 28 secondes sur l'autre. Tout va bien. Tout va bien. 29. Ah non, je voulais pas faire ça du tout. Ah mon dieu. Ouais, non mais c'est bon, tout va bien. Je suis dit hop, pourquoi pas, je vais voir s'il n'y a pas d'autres streamers et... Ah je t'ai vu toi, je suis allé. Ah bah t'as bien fait. T'as bien fait.
On rigole un peu. Parce que c'est vrai que le multi, il a l'air un peu désert sur le jeu, j'ai l'impression. De quoi 5 minutes ? Quoi ? 5 minutes ? Quoi ? Non, je sais pas. Pas gentil. T'as dit quoi ? Pas encore. Ah non, j'ai mis des patates dans l'eau et... Est-ce que je mange sur complète ? Alors... Je fasse gaffe. Pas qu'elle devienne molle non plus. Pourquoi il faut un truc gratuit ? Bah pour essayer de ramener les gens sur le jeu. Évidemment. Évidemment. Bah ouais. Maintenant, je pense un peu trop tard parce que le 2 octobre, il y a Forza. Bah c'est ça. Ah, du coup, ils veulent essayer de gratter quelques ventes avant que Forza y sorte, parce que bah, ils savent que quand Forza va sortir, ce sera mort. Ah, bien sûr. C'est le retour du maître et les autres Routou, bah, il aura plus qu'à se mettre en PLS. Et, ah ouais, et l'année prochaine, ils le donneront gratuitement comme ils avaient fait avec le 1. Ah, le 1, c'était comme ça que je l'avais eu. Ça. Vers Noël, ils donnent des jeux sur Uplay. En général, t'as un vieux Assassin's Creed, t'as... T'as des jeux service genre For Honor ou Rainbow Six, là, toutes ces conneries. Ouais, Rainbow Six... Bah tous les jeux où tu racks sur les DLC après, quoi. Franchement, j'ai acheté toutes les bottes, bah... Tous mes jeux, ils sont en édition Ultimate. J'y joue pas. Clairement, je dis joue pas. Rainbow Six, je l'ai acheté, je sais pas pourquoi. Je fais tout, tous mes jeux. Pas vraiment pourquoi je fais des jeux. Ah, par contre, ouais, je suis pas convaincu que Forza il fasse vendre des One. De quoi ? Après, je suis pas convaincu que Forza Horizon il fasse vendre des One. En octobre, l'Xbox One, les consoles. Ah, Forza il vend avec. Enfin, Xbox vend Forza avec. Ça ouais, bah ils vont sûrement faire un pack. Ouais, ils vont sûrement faire un pack, mais je suis pas convaincu que ça fasse vendre plus de consoles que ça, parce que de toute façon, ceux qui voulaient une One, bah ils en ont déjà une. Ceux qui en ont pas, bah ils attendent la prochaine génération. Et là, ils arrêtent pas de parler de la next-gen enfin, depuis plus de 6 mois. Vu, bah, moi, j'ai déjà précommandé le jeu. Ouais, ouais. Bah, déjà, je sais pas si c'est normal ou pas parce que je peux pas l'installer le jeu. Ouais, bah, j'imagine que c'est normal. Je sais pas quand est-ce qu'il sort officiellement. Le 2 octobre. 2 octobre. Ouais, ils vont peut-être le déverrouiller les préchargements dans 2 jours. Ah, je sais pas, tu vois. Comme ça. Et de toute façon, il y a même plus d'intérêt à acheter Forza vu que bah, il est dans le Xbox Game Pass. Et bah, du coup, tu prends les 7-14 jours et c'est bon. Ah, le jeu, t'en profites pendant 2 semaines. Tout va bien. Allez, c'est bon. Ah, ok. Bon, je pense que je verrai jamais le bout de la course. Ouais, c'est chouette. 30 secondes pour faire 13%, ça me paraît compliqué. Bah, c'est leur discours, donc ils vont le faire jusqu'à ce que le Game Pass il soit adopté par la majorité. Une fois qu'ils auront leur nombre d'abonnés suffisant, t'inquiète pas que d'un coup ils vont commencer à dire oui, non, ce jeu-là il sera pas dans Game Pass, mais vous inquiétez pas, il viendra plus tard. Ou des conneries comme ça, tu sais. Ça dépend. Soit ils orientent toute leur politique sur le Game Pass, le nouvel événement de notre série live quitte à diminuer le nombre de sorties par an, histoire de s'y retrouver un maximum. Un max de followers. Alors, ça fait quoi d'être une star ? Soit du coup le système d'abonnement est un échec, et là bah ils vont sortir petit à petit du
à de ce modèle où bah, ils mettent tous les gros jeux en Day One, dans le Game Pass. Ça dépendra. Et je pense qu'ils vont essayer de pousser le Game Pass. Ils veulent clairement passer dans le tout service, dans le cloud, le jeu streaming, tout ça. Donc clairement, ouais. Je pense qu'ils vont diminuer le nombre de sorties et ils vont juste proposer du jeu service qui dure 40 ans, tu vois. Genre Halo Infinite, tu vois, ça m'étonnerait pas que bah, ce soit juste une sorte de Battle Royale ou une connerie comme ça, tu vois, un jeu en PVP où ils rajouteront des mises à jour payantes à l'infini derrière. Et du coup, dans le Game Pass, bah, t'auras accès au jeu gratuitement, entre guillemets. Et après, ils te rajouteront des maps une fois de temps en temps pour te faire continuer à raquer ton abonnement, quoi, tous les mois. Heureux. Allez. Hop. J'ai eu tout bah bon, ça. Après, ah ouais, t'as eu la max de récompense par contre. De pièces, quoi. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est... Ben voilà. 179 du coup, chérie. C'est sympa. Ah donc, on doit avoir des nouvelles courses en bateau et compagnie. Ah, en moto. Vas-y, là-haut. Vas-y. On va faire un peu de moto. Stresse pas. C'est Tucker qui va gérer la course. Je l'aime pas, mais il sait piloter. S'il est pas de toi, il sera... Merci pour le follow, Lily Bouillet. Alors t'attends pas à ce qu'il te... Bienvenue. Tu vas devoir te battre. Tu as pas fait du cross? Ah si, c'est bien le cross. Ah, tu t'es joué pour faire du street, moi. Oh, on va faire un peu de tout. On va faire un peu de tout. T'as envie de faire une course de 10 minutes. Il faut varier les plaisirs. C'est important. Et ouais. Après, moi non plus, j'ai pas d'Xbox, hein. Clairement. J'ai participé à un concours pour en gagner une, mais j'y crois moyen. Oula, je sais pas où c'est que je suis en train de partir, mais j'y vais. Ah mais ça va, je suis pas le seul bourré. T'es avec moi, t'es solidaire. On coupe pas le truc en nous, bah si, non. C'est vrai qu'il y a le boost aussi. J'utilise pas le boost en moto. J'y pense pas. Ah mais tu vois, gamer, le truc formidable avec les motos... Ah mais il me pousse, salaud. Le truc formidable avec les motos, c'est que tu vois, t'as un parcours avec des boss et tout partout, sauf que bah tu peux totalement passer à côté. Comme ça, tu t'embêtes pas, tu vois. Leur conférence, ouais, bah je pense qu'ils vont... Ils vont parler de quelques sorties random. Ah non, c'est là-bas. Quelques sorties random, des rachats de studio encore. Et puis à la fin de la conf, ils vont te présenter la Scarlett, là. C'est le moment. Le moment de quoi? Ah, j'ai pas suivi. C'est le moment de faire du drift. Il neige. Ah mais il neige, ouais. Comment ça se fait qu'il neige? Ah mais la neige, elle vient vite, hein. Oh, nom de Dieu. On est passé il y a 2 secondes ici. Il y a 2 secondes, il y avait rien, et là, là, c'est déjà la fête. On revient dans l'Alaska. Et du coup, ouais, là, ils en reparlent encore. À chaque fois, c'est les mêmes rumeurs qui reviennent. C'est Project Scarlett. À console qui utilise la puissance du cloud. Voilà, mais rappelez-vous quand même qu'on nous avait déjà fait la blague, hein, de la puissance du cloud avec la One. On l'a jamais vu, la puissance du cloud. Mais t'as vu ce qu'ils veulent faire là? Bah ouais, là. Une
PS4 Xbox là. De quoi? Bah, ils vont faire une console qu'on peut utiliser pour lire les jeux Xbox et les jeux PS4. Ouais, non. Ça, ça arrivera jamais. Bah, peut-être dans 30 ans, si Sony ou Microsoft coule. Hein. Mais ils ont déjà des modèles. Pour lire les jeux PS4 et Xbox. Ouais. Mais c'est pas officiel. Ah bah. Bon, pas pour l'instant, mais. Ça va venir, quoi. Bah non. C'est juste pas possible. Les gars, ils sont en concurrence. Ils vont pas faire une console en commun. Je veux bien que t'aimes la... Bah non, c'est pas possible. Bah si j'ai bien compris. Mais je suis quasiment sûr d'avoir bien compris. Nature. Mais jamais. Enfin, jamais. Alors, je disais hier, faut jamais dire jamais, justement. Par rapport à Sega et Nintendo, par exemple, à l'époque, on ne les voyait pas du tout collaborer. Et puis, après, quand Sega a coulé, finalement, ils sont revenus vers Nintendo. Donc, peut-être que ce sera pareil pour Sony et Microsoft un jour. Ah, invitation, j'arrive. Comment ça marche? Accepter. Pour prendre un écureuil en photo, excuse-moi, mais c'est une façon bizarre de montrer ton amour, non? Alors, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent sur la beauté des choses simples, mais c'est dur de les entendre avec le bruit de leur moteur. Ah, du coup, on fait quoi? Petit rappel, il y a un niveau recommandé pour chaque épreuve. Alors, informe-toi avant d'essayer. Bien entendu, tu peux ignorer les recommandations si tu penses que t'as le niveau. Mais il vaut mieux connaître les règles avant de se lancer, tu penses? Vous avez vu? Vous avez Je crois que j'ai pas du tout le niveau pour cette épreuve. D'après ce que me dit le monsieur, ça sent la PLS, hein. On verra. Bah, je pense. D'après ce que m'a dit le gars, ça a l'air compliqué. Ah, pour l'instant, ça va. Clairement, je sais même pas si je l'ai. En plus, il neige. En moto, si je peux dire. Ouais. Même pas. C'est pour ça que je te dis, c'est le moment de faire du drift. Ah ouais, ouais mais non. Là tu vois, déjà rien que là, ça me saoule. Ah putain. Ah mais je me rappelle de cette course. Je me rappelle le circuit là. C'est le circuit avec les murs buggés. Quoi? Il y a un mur buggé ici. Et du coup, si tu le longes d'un peu trop près, bah ta voiture elle s'arrête net. Ah bon? Ouais. Je l'ai passé là déjà, donc je peux pas te montrer là, mais au deuxième tour. Dis quoi que tu es. Je te dirai. Ah bah vas-y, éteins. Oh punaise. Ah mon dieu. Ah ça glisse trop en moto, je peux pas. Ah pas qu'en moto. Ah du coup j'ai raté le checkpoint. Ah, c'est de la merde. Ah du coup là la strat c'est d'aller faire des épreuves en avion. Parce qu'en avion t'as pas de problème de glisse. Indra. C'est mieux. J'arrive pas à l'air. Putain, je suis à quel. Ah, attends, je fais n'importe quoi. Je crois que j'arrive à l'endroit où il y a le mur buggé. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Oh, je suis dégueu. Ah, c'est là. Attends, on va voir. Ouais, c'est là. Tu vois, ce mur, si t'arrives trop vite en longeant ce mur, du coup, quand t'arrives au truc marron, là, ça t'arrête net. Je sais pas où je vais. C'est pas grave. Ah, ça là? Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. C'est la merde. Là, il veut. Je savais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Indra? Non, qu'est-ce qu'il y a? Eh oui.
Mais oui. Elle m'a voici. Tu sens le chien qui conduit mieux que moi. Elle m'a voici. Ah mon dieu, j'arrive. Ah mais t'as fini cette chien. Ouais, attends j'arrive. Ah, du coup demain, est-ce que Soul Calibur 6 on peut jouer avec les amis dans la bêta? Parce que ouais, demain je me vois pas continuer The Crew 2 là. Enfin, je vous avoue. Ah il y a les formules. Hein. Ça peut être pas mal. Ah, attends, on va se faire une épreuve en avion, histoire d'attendre que la neige parte. Là, on va zoomouter. On fait nos courses dans des endroits avec des vues sublimes. T'as pas testé, moi non plus. Je l'ai même pas téléchargé encore la bêta. C'est dommage, non ? Mais je me dis que ouais, ça pourrait faire une bonne alternative. Sinon, il y a le festival d'automne en ce moment dans Monster Hunter World. Mais je sais pas s'il y a des trucs, si j'ai des trucs à faire ou pas. Potentiellement, sinon on peut se faire du World. Éventuellement du génération, j'en sais rien. Au voir. Ouais, non, bah c'est un petit jeu popcorn, quoi. C'est un petit jeu popcorn. Une fois là-haut, sois toi-même, et tout ira bien. Donc voilà, ça fait le taf, mais bon, ça restera pas dans les mémoires, quoi. Allez, c'est parti. Attention, vomissez. C'est l'heure du vomi. Ok. Hop. Là. Allez, on y va. Ah, t'as pas le online. Mais si, j'ai trouvé la strat. Ah, du coup, on est bon. On est bon. T'arrêtes pas surtout. On regarde tout ouais. Ce que tu fais. T'inquiète. Regarde, je mets le boost en même temps. Voilà, plus 40 avec la nitro. C'est bon, on est bien. Faut redresser un peu par contre. Ah mon dieu! Mayday! Ah bah, la strat de la famille généreuse, tu vois. C'est incroyable. Ok. Voilà, après. On se fait ça. Donc là c'est bon, j'ai de nouveau accès au online de la Switch. Rotation complète. Donc, tout va bien. Ouais. J'ai le online mais j'ai rien payé. C'est pas mal. Ah mon dieu. Voilà, vas-y. On continue de tourner. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Ah sinon on peut se mettre à l'envers et voler près du sol. Alors faut piquer vers le sol alors attends. Faut remonter. Full boost. Hop, on redescend. Voilà. Ok. Une semaine? Non. Non. Ah, déjà. Les chiffres ne mentent jamais. Et le score final dit que t'as gagné. Déjà là, bon. Il va falloir finir le stream. Déjà, ouais, demain on change de jeu. Parce que tu vois, j'irais bien tester les nouveaux types d'épreuves. Mais le problème, c'est que bah vu qu'il faut acheter le véhicule.
Eh ben, c'est la baise. C'est la baise. Je pourrais en acheter un éventuellement, je pourrais pas en acheter deux, tu vois. Alors que j'ai genre 4 types d'épreuves à explorer, tu vois. Host, mais envie de... Ah, merci pour le host, ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai préparé ma bouffe là. Ok. Petite tartiflette. Ah, ça fait plaisir. Eh ben, bon app du coup. Péter la panse. Ok. Je vais te dire un secret. Alors attends, on va essayer de tester une nouvelle activité. Il y a quoi? À l'hypercar, drag race. À l'overcraft. Ça doit être stylé, l'overcraft. Monster truck bof. F1. Ah ouais, j'ai bien envie de tester à l'overcraft. Vas-y, on va au QG. Ta liberté, elle a pas de limite. On va essayer de le choper. S'il y a un truc que tu veux essayer dont tu te sens capable. Hop, ouais, c'est bon. De toute façon, on s'en fout de ce que tu racontes, madame. Voilà, voilà. Le moyen de connaître tes limites, c'est de les dépasser. Ok, dépassons nos limites. A plus. C'était quoi déjà le générique d'Extrême Limite? Je m'en rappelle plus. 6 Pass. Ah, génial. 352 399. 160. Ah, tu sens arriver le truc lotière. 132 km/h, 180 chevaux. 136, 240. 142, 400. Ouais, il faut un peu plus de pognon. Attends, il faut récupérer. Faut qu'on arrive à 400 000. À 400 000, on se l'achète. Hein. À 400 000, on se l'achète. Là, on va faire des épreuves un peu bidons pour gagner du pognon. Du coup, l'avion, ça marche bien pour farmer le pognon. Il y a une sacrée vue sur... Ouais, 2 secondes. Voilà, comme ça, je retrouve le chat. Contre, t'embête pas à chercher Alcatraz. On dirait que l'île s'est évadée pendant qu'on regardait ailleurs. Ah bah, on est à San Francisco. Incroyable. Ah, tu vois, au début du jeu, je me disais, ouais, trop bien, ça y est, on se met enfin à gagner de l'argent. Et puis, bah, au final, bah, c'est la baise. Hein. Vu que bah, l'argent que tu gagnes, ça part tout dans les véhicules pour les nouveaux types d'épreuves. Ah, donc, bah, t'es coincé de nouveau avec un seul véhicule par type d'épreuve. C'est totalement bête. Tu nous fais un festival, ok ? Voler en dessous d'un pont, ouais. Et après. Ah, encore ? Ah oui, d'accord. Fallait le faire deux fois. Ah, vite ! Ok, still being. Donc ouais, c'est toujours la baisse du jeu service qui veut que t'ailles acheter... je fais n'importe quoi. Qui veut que t'ailles acheter son pognon virtuel avec de l'argent réel. C'est toujours de la merde. C'est toujours de la merde. Y'a rien pour te donner envie de continuer. Ouais, bah, ce qui donne envie de continuer, c'est les followers, tout ça, mais... c'est vrai que ça marche pas bien. Ah, passer près d'un arbre. Ouais, je suis au milieu de la mer. Comment t'expliquer? Comment te dire? Ah mon dieu. Arbre, falaise, bâtiment, pont. Et tout à l'heure, on avait pareil ici. Attends, on va essayer de choper les arbres là, sinon on ira... Allez, mais ça passe pas là? Alors, je passe même au milieu. Follement. Ah si, c'est bon. Ah, il faut passer juste à côté en fait. Non. C'est pas clair. Et genre là. Je l'ai frôlé là, non? Je l'ai pas assez bien frôlé. Ah, c'est pas clair. Ah là, ça passe. Ok.
Allez, petite petit looping. Mais ouais, mais tu vois la carotte traditionnelle dans les jeux de voiture, tout ça, bah, c'est donné de nouveaux véhicules. Mais là, bah, le fait que tout soit régi par la sainte volonté du jeu service et du season pass et des microtransactions, plutôt microtransactions d'ailleurs, bah du coup le jeu, il échoue dans son objectif de te faire rester sur le jeu en te filant régulièrement des nouvelles voitures. Contrairement encore une fois à Forza Horizon, tu vois. Dans Forza Horizon, bah, tu gagnes des nouvelles voitures toutes les 4 secondes. T'en as presque même quasiment trop, à la limite. Mais là, c'est l'exact opposé, t'en as jamais. Ah, j'ai échoué! Ah merde! Ouais, j'ai trop fait n'importe quoi aussi. Vas-y, on le refait, mais cette fois, je sais ce qu'il faut faire, donc ça passera mieux. Je me suis fait surprendre. Y a pas de flin au jeu, non, pas vraiment. Pas vraiment. Bah après, tu deviens une star ultra connue, tout ça. Mais... Et... Là. Allez, le looping. La plateau, je me prends le pont. Ah mon dieu, non, c'est bon. Tout va bien. Et... Ah oui, mais c'est vrai. Ah putain, faut pas que je m'éloigne là. Je me fais avoir à chaque fois comme un con. Alors qu'en fait ça marche pas du tout. Attends, je peux peut-être piffer par là-bas. Allez, on va piffer dans la forêt. J'y crois à fond. Tout va bien se passer. Ah mon dieu. Non, et je frôle pas non plus. Ah là je frôle, voilà, là on sait pas. C'est pas clair. Vas-y, je retourne. Voilà. Je suis rentré dedans mais j'ai frôlé, tout va bien. Non, attends. Vas-y. Remets-moi là, voilà, comme ça on repart direct bien, on perd pas de temps. Il y a un mode solo? Bah non, pas vraiment. Bah, là, je suis dedans en fait, concrètement. Le mode solo, c'est juste, bah tu fais des courses, des épreuves, tout ça, tu gagnes des followers, et du coup tu gagnes en prestige, et ça déverrouille l'accès à d'autres épreuves, et voilà. Ah, c'est ça le solo. Mais du coup tu peux le faire multi. Tu peux le faire multi avec ton crew. Ah, d'où le nom du jeu. Ah, The Crew 2. Ouais, c'est bon. Voilà, easy. T'as battu mon score ce coup-ci, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Mais bien sûr. Ah, attends, voilà, comme ça. Je suis sûr que c'est passé. Voilà, dans l'autre sens, maintenant. Ah mon dieu. Mais non, mais il est ok. Regarde, je le frôle. Je frôle tout le monde. Ah oui, ah, le jeu, il est totalement prévu pour être fait en multi. Hein. Ça, y a pas d'embrouille. Mais tu peux le faire en solo. Comme Forza Horizon. Hein. Forza Horizon, c'est exactement pareil. T'as pas de différenciation entre solo et multi hein, dans Forza Horizon. Alors, vas-y, de l'améliorer mon avion là. Voilà, hop.
On en est à combien? 378 000. Allez, plus que 20 000 à choper. Et on peut tester... Ah, des courses de bateaux. Parfait. On peut tester l'Overcraft. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Non? Mais pourquoi il me bloque? Laisse-moi faire la course. Oui, déployé. Non. Je veux faire la course, moi. Voilà, merci. Le jeu, il comprenait pas. Ah, mon Dieu. Allez, c'est parti. C'est par là-bas. Ah ouais, ouais. Bah, je l'ai dit plusieurs fois, mais Forza Horizon, il lui met clairement 100-0. Il n'y a pas, d'embrouille, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est Forza Horizon Master Race. Hein. Ils sont clairement sur le même créneau et ah, The Crew, bah, c'est pas pour rien si The Crew 2, il a botté en touche en allant chercher. En allant chercher les bateaux, les avions et compagnie au lieu de se contenter des voitures. Hein. C'est parce que en termes de gameplay, le jeu il tient pas la comparaison. Ça tient pas la comparaison. Donc bah voilà. Mais du coup c'est super cool d'avoir des bateaux. Clairement par contre les bateaux, ouais, c'est une des réussites de The Crew 2, même si en termes de gameplay c'est de la grosse merde de devoir maintenir en permanence le stick vers le bas. Ça c'est vraiment une énorme connerie. Mais c'est super cool. En termes de feeling et de pilotage. Bah, je dis ça mais je fais n'importe quoi. Non mais tout va bien, je suis pas bourré. Dis ok. Je laisse un peu d'avance au CPU parce qu'il est un peu nul. C'est ça en fait le truc. Allez vas-y, passe au milieu. Bon après la physique elle est ce qu'elle est. Mais ces bateaux là ils sont clairement chiants. Quand je parle des bateaux, je parle de l'autre bateau. Le bateau de course. Pas celui-là. Celui-là c'est de la merde. Ça tourne beaucoup trop, c'est beaucoup trop sensible. C'est horrible. Ah ouais, moi je regardais le chat. C'est la version 1D de Horizon. Ouais, peut-être pas non plus, hein, parce que... ne serait-ce que pour la modélisation de l'open world, bah tu vois bien que les gars ils ont le pognon. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, quoi. Ouais, dans le 1, il y avait un mode histoire, mais faut le dire très vite. Hein. Tu peux pas vraiment qualifier ça d'histoire, parce que c'était tellement navrant que tu te dis, bah heureusement qu'ils l'ont enlevé dans le 2. C'était vraiment mauvais. Hein. C'était vraiment mauvais dans le 1. Une sombre histoire d'un gars qui s'est fait tuer par un gang. Ah du coup son frère il se fait accuser du meurtre, là je sais pas quoi. Et du coup après le frère, il y a un gars du FBI qui vient, qui le sort de prison. Et du coup le frère il veut se venger. Mais c'était vraiment nul. Et les seules cinématiques que t'avais c'était juste pour te montrer des culs et des boules, des boobs de madame. Bah, c'était pas... C'était beauf niveau 100. C'était vraiment zéro. Ouais, je fais un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est pas terrible. Arrivé en retard au checkpoint. Bah ouais. Il va falloir faire mieux avec le prochain. Bah ouais. Surtout que le gars il est nul, hein, donc. Et tu vois là, regarde, tu plonges, t'as vu comme il plonge le bateau? T'inclines le stick vers l'avant, le bateau il se retrouve perpendiculaire au sol. Ça veut rien dire. C'est tellement ultra sensible.
Allez, allez, voilà, c'est bon. Tout va bien. Je crois que l'autre il est juste derrière moi. Ouais, il me colle au cul. Ben, on va essayer de se mettre, mon dieu. Ok, tout va bien. C'est relou. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Tout va bien se passer. Ah mon dieu, j'ai loupé le... Ouais d'accord, c'est pas grave. Allez, allez où l'arrivée? ?70%? Ah ouais. Il y a encore le temps. Pas pourquoi j'ai fait le tour. Hein. Grossière erreur. Oh, c'est pas évident. C'est pas évident. Je regarde le chat après parce que là. Ah putain! Lightbox foireuse. Please! Oh putain. Sans déconner. Tu vas voir, l'autre il va me griller juste à l'arrivée. Allez! Allez vite! Il faut le redoubler. Putain, je suis resté devant tout le long. Et tu vas voir. Pile à la fin, le gars il va me dire nope. C'est bon. Ah! Salut Stardust! Comment ça va? Ah putain! Ah l'enculé! Mais du coup, ouais, le mode histoire du 1. Ah, c'était chaud! Ah, t'as pris le truc famille avec tes cousins. Ah, bah bravo, tu es... tu es officiellement un arnaqué, finalement. Enfin non, c'est même pas un arnaqué, là, c'est un escroqué, tu vois. Au point où on en est. Vas-y, on va se faire des vraies courses de bateau, plutôt. 135 ! Ah ouais. Jamais je vais y arriver. Ah, vas-y, je tente quand même. J'ai peur de rien. Ce bon vieux Mississippi. Tu sais qu'ils faisaient des courses de bateaux à vapeur dessus avant? Le vainqueur devait aller à tout casser à quoi? 13 nœuds? Forcément, ça paraît ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, ça se savait dans tout le pays. Incroyable. C'est parti! Oui. J'ai pas peur, j'ai Elisabeth avec moi, je peux pas perdre. Voilà, c'est ça. Allez, tu vas tous les laisser sur place. Et je les rattrape quand même. Bon, j'ai utilisé toute ma nitro dès le départ, mais... Ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc. Peut-être moyen de s'en sortir. Ah mon dieu! Mongoloïde. Je vais tellement pas faire ça. Hop, voilà. Merci, Joli, t'es en tête. Mais casse-toi. Il me déconcentre. Ah oh, putain, j'ai rebondi. Ah, du coup, j'ai perdu toute ma vitesse. C'est terrible. Ah, les vagues des concurrents. Le pire, le plus dur en fait en bateau, c'est les vagues des autres. C'est pas trop... C'est pas trop le parcours, le problème, c'est les vagues des autres. Attends, j'y vois rien. Je suis censé faire quoi? Voilà. Allez, casse-toi derrière. Hop! Voilà, je l'ai fait couler. Tout va bien.
Finir The Crew 2 à 100%, ouais. C'est évident. J'ai fait une grosse connerie. Allez hop, on peut recommencer. Ouais, c'est génial. Ah putain. Et ouais. Mais après, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir continuer à faire du Monster Hunter Génération, un peu de Mario Kart une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et surtout du Smash Bros quand ça va arriver. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, bon, Splatoon 2... On a vraiment soulevé Splatoon 2. Ah merde. On voit pas bien les plateformes avec le... Avec le décor enneigé là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ah salaud. On va rappeler MQ, ouais. Non, laisse-le où il est. Tout va bien. Mais on est bien sans lui. Et salut Shivakun, comment ça va? Et tu vois, ouais, les courses en bateau, bah t'as tout ce que t'as pas dans les autres types de courses, quoi. T'as les sensations de vitesse, t'as la conduite avec précision. Ah putain! Et la même connerie, hein! La même connerie! Ta jauge de nitro, là. Mais mentalement. Ah bah écoute, ça va super bien. À part que je mongolise à l'infini parce que y a des moments tu sais pas où il faut aller. C'est vrai que c'est mal indiqué. Ça par contre, gros bémol, des courses en bateau, il y a des moments. Tu piffes un peu toute ta vie. Enfin, après tu pourrais regarder la carte, tu vois. Enfin, mettre la carte un peu en plus gros, mais. C'est pas foufou. Pas forcément évident de savoir où faut aller. Allez, on va y arriver quand même. Ah, je fais n'importe quoi, non, c'est pas... J'ai cru que je me le prenais. Ok. Hop, casse-toi. Ah mon dieu! Ouais, c'est bon. Faut voir la maison! Ah, mais la maison, j'y suis allé hier en fin de live. Et on a découvert que, en fait, la maison ne servait à rien. C'était génial. Je sais pas pourquoi il m'a embêté pendant tout le live avec sa maison. En plus, il est pas venu aujourd'hui. Je pensais qu'on allait le voir, mais... Ah, même pas. Non ! Casse-toi. 60%, ouais, ok. Alors attends, là on va où ? À droite. Voilà, c'est bon. J'ai réussi ! J'ai réussi à pas me tromper. Incroyable. Ok. Ouais, c'est... Ah, ça pop, hein. Ça pop de manière très sale, hein. Ah, putain. Ah non, pas à la fin. Casse-toi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu à tout prix passer sur le tremplin, là. Ça y est, je fais n'importe quoi. La peur de gagner. C'est totalement la peur de gagner. Chope-le. Ah mais lui aussi, mais what the fuck, mais cassez-vous. Ah vite. Ah putain, je l'aurai jamais. Il est où l'autre? C'est bon. Un deuxième, c'est pas mal. Voilà, ok. Un deuxième avec un bateau lotière. Je rappelle, j'ai pas le niveau. Ok, allez,
Est-ce qu'on a assez? Oh, on n'a pas assez. Encore une course. Et j'ai pas de loot? Si, là-bas. Je sais pas pourquoi des fois le loot il pop à 3 km. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai pas vu parce que t'as pas voulu à la maison. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et tu vois, j'y suis allé, j'ai dépensé du pognon pour repeindre mon bateau. Tout va bien. Maintenant, j'ai le bateau du charisme. Ok. Allez, hop. Fais voir l'air race. On en est où? Allez, vas-y. Les traditionnalistes réalisent pas que chaque discipline est née du même désir, celui de faire la course. Le premier Grand Prix a eu lieu en 1906 et la première course aérienne moderne en 2003. Un siècle les sépare, mais ils ont un point commun, ils ont la même passion. Allez, c'est parti! Là, j'ai ma Ferrari du ciel. C'est parfait. Et un turbo! Direct. Oh mon dieu. Ok. Hop. Voilà. Demi-tour. Hop. On va là-bas. Mais ça va presque trop vite en fait. Là je vais où? Quoi? Génial, t'es en train de dépasser toutes mes attentes là. Incroyable. J'ai loupé une porte mais c'est pas grave. Je l'ai eu. Je l'ai eu quand même. Tout va bien. Tu vas pas assez vite, c'est tout. Hop, voilà. Mais l'objectif, il est tellement devant moi que... C'est ça? Ah mon dieu, comment on fait là? Ah! Je l'ai eu quand même! Je l'ai eu quand même. Ah putain. En dehors de l'arène, ouais bah... J'essaye de revenir, voilà. Tout va bien se passer! Ah mon dieu! Attends, on se fait un petit retour en piste propre. Pourquoi je fume? Pourquoi je fume? C'est quoi ce délire? Et là, je suis censé aller. Ah là! Putain, mais c'est pas clair, hein, des moments. Je suis pas bourré. Je suis pas bourré du tout. Tout va bien se passer. Ok. La bonne trajectoire, c'est beaucoup plus simple. Ah, elle arrive. Ok, voilà, seulement 12 secondes de retard. Ah non, j'étais qu'à 3 secondes. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ah, ça y est, on a assez de pognon. Voilà, on va pouvoir aller chercher l'Overcraft. Vas-y, c'est parti. Hop, activité off-road. On va pouvoir tester l'Overcraft. J'espère que vous êtes hypé. Parce que on a travaillé toute l'après-midi pour en arriver là. C'est l'heure de gloire. Ouais. En jaune, il est pas mal. Hein. Jaune ou orange? Ah, vas-y, jaune.
Allez. J'ai pas peur. Ah, 3 activités, voilà, pour 400 000 pognos. Ça permet de bien rentabiliser son achat, ça. Ah putain. Allez, c'est parti. On va tester ça. Hop. Alors, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ouais. Faut bien anticiper. Ah, ça me rappelle les heures de gloire de Diddy Kong Racing. Ah mon dieu, est-ce que vous vous rappelez comment c'était dans Diddy Kong Racing? Ah, c'est un peu pareil, mais en plus violent, j'ai l'impression. Vas-y, c'est parti. Poussez-vous! Ah, j'ai même pas besoin de foutre la nitro pour les dépasser. Ok. En fait, là, le truc, c'est de garder la nitro pour les sorties de virage. Il faut booster un peu à chaque sortie de virage, comme ça, ça permet de prendre les virages plus serrés. Oh mon dieu, faut aller où? Ça permet de redresser la barre. Ah, ils sont pas si mauvais que ça. C'est ce que tu disais hier, ouais. Moi, j'aime bien. Ça me fait marrer. Par contre, les IA, elles ont l'air d'être à la frame. Ils rigolent zéro, les gars. Autant, je leur mets 100-0 en termes de vitesse. Par contre, en termes de trajectoire, j'ai peut-être pris un truc trop puissant, tu vois. C'est peut-être le seul véhicule... C'est pas forcément une bonne chose d'avoir un truc plus puissant. Hop, pousse-toi. Ah non! Ouais! Ah, c'est trop bien. Ah, je veux dire, comment est-ce qu'on peut ne pas aimer les Overcraft? C'est génial. Comment ça, checkpoint raté? Mais non! Ah! Sérieusement? Ah, d'habitude, tu passes à côté, ça passe. Là, le jeu, il veut pas. Salaud. Mais du coup, maintenant, pour les rattraper, ça va être chaud. Ah, tu vois, là, ça passe. Je suis passé à côté. Attends, je regardais le chat. Ouais, non, attends, il faut que je recommence ça parce que... Ah, je lisais le chat. J'ai l'impression que... Ouais, j'en sais rien. De toute façon, moi, j'upload, mais... concrètement, YouTube, j'en ai rien à cirer. C'est... si les gens, ils ont envie de revoir des... Je te laisserai utiliser mon jacuzzi. Des replays, ils peuvent aller dessus. C'est vrai qu'après... je m'en occupe pas plus que ça. Parce que le jour où je dois m'occuper de YouTube, je ferai des vidéos dédiées, tu vois. Je vais pas faire juste des replays, des trucs Twitch, c'est un peu nul. Non, je vais pas y arriver, attends. Il faut que je prenne l'habitude. Faut que je vois à quel moment il faut tourner pour que ça tourne à la corde. Parce que là, je suis encore beaucoup trop large. Hop, cassez-vous. Genre là. Mais là, c'est presque un peu trop. Ah oui, non. C'était pas le but. Ah mon dieu. Non mais tout va bien se passer. Vous allez voir. Je vais les rattraper. Je vais finir premier. Je m'y engage. Et non, mais... Par contre, les collisions avec les autres, c'est horrible.
C'est horrible. C'est tellement en mode auto-tamponneuse. Allez, cassez-vous. Mais non! Merci! Ah mon dieu, ça veut rien dire. Hop, voilà, casse-toi. Ok, c'est bon, on remonte. Doucement mais sûrement. On va y arriver. On va y arriver, je suis en train de choper le truc. J'y crois à fond. Ah putain. Ah par contre les autres ouais, ils sont chiants. Allez, c'est pas perdu. Hop. Non. Ah mon dieu, comment il me fait tourner. Tu me fais tourner la tête. Il est où le premier? Le premier il va être dur à choper. Et plus vite. C'est bon. Ah là, on est pas mal. Okay. Ah merde, j'aurais dû prendre plus large. Ça y est, c'est les embrouilles. Ah putain. Ah, mais des bisous. Des bisous. Ah, de toute façon, ouais, c'est... on arrive vers la fin du stream, hein, doucement. Ok. Ok. Moi, je pense même qu'on va pouvoir s'arrêter après la course. Poussez-vous, laissez-moi gagner pour la dernière. Ah, mais du coup, j'ai fait check... Ah, il a pas compté. Alors, bah, c'est bon, on peut s'arrêter là. Hop. Voilà, on va s'arrêter là, je pense que... On en a assez vu de The Crew. On en a assez vu. Du coup, demain, bah, on changera de jeu. Je sais pas ce qu'on fait exactement. On verra ça. Mais voilà, ce sera bien. Ça, je peux vous le dire. En tout cas, eh ben, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas, évidemment, à follow la chaîne si c'est pas fait. À venir faire un petit coucou sur Discord aussi, pourquoi pas. Et puis, bah, passez une bonne soirée. Et à demain. Allez, ciao!